c'est le Saint-Esprit, et vous allez comprendre aussi s'il y en a plusieurs sortes de s'il y en a plusieurs Saint-Esprit, quoi. Et c'est ce que le premier argument. Le deuxième argument maintenant, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 7. Le verset 7 maintenant, Jésus-Christ disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la mission, dans la première chose, un autre, dans Jean 14, verset 26. Je reprends donc cela, un autre. Ça veut dire qu'il y avait déjà le Consolateur. Que deux maintenant, dans Jean 16, verset 7. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus-Christ dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a beaucoup de questions à poser dans ce verset-ci. La première est que la condition du venu de ce Consolateur, la condition, c'est-à-dire la venue du Consolateur conditionnée par le divin de Jésus. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Vous déléguez pour le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Quand Jésus revient tôt du matin, rempli du Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 20, verset 22, avant de partir, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, recevez le Saint-Esprit. Il les a laissés le Saint-Esprit. Élisabeth, dans Marc, dans Luc 1, 35, était porteuse du Saint-Esprit. Et tous étaient là, pendant qu'il a annoncé le Consolateur. Le verset 7, qui attire notre attention, dit, si je ne m'en vais pas, condition, le Consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire, la venue du Consolateur est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. Donc, si c'est le Saint-Esprit, c'est la deuxième question, n'est-ce pas, qui va aller nous dire, bah, on va travailler sur ça, mes chers frères. On va travailler juste dans la Bible, comme n'est-ce pas le frère Désiré avait dit. Si, n'est-ce pas, le Consolateur est le Saint-Esprit, ça veut dire au moment où Jésus parlait, il n'était pas porté du Saint-Esprit. Puisque il faut qu'il parle avant que le Consolateur vienne. Donc, c'était la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est le verset 13, toujours dans Jean 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Et ici, l'esprit de vérité, ici, comment expliquer l'apôtre Jean, le même Jean. Il a écrit Jean, il a écrit le livre de 1 Jean aussi. Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à l'esprit, mais éprouvez tous les esprits, car le prophète répond à parole dans le monde. Ici, Jean nous fait comprendre qu'un prophète est identifié aussi comme un esprit dans la Bible, dans ce verset. Car le prophète répond à parole. De vérifier si les gens sont les véritables prophètes et les attirer esprit. N'ajoutez pas foi à l'esprit, mais éprouvez tous les esprits, car beaucoup de faux prophètes ont apparu. Et le verset 6 du même chapitre 1 Jean 4, Jean dit, nous sommes de Dieu, et ceux qui sont de Dieu nous connaissent, et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. Et c'est par là que tu reconnaîtras l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, il y a deux esprits ici, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Même les branamistes, mais nos frères que Dieu a interprété l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité comme la postérité de l'homme et la postérité du serpent. Qui n'est rien d'autre que nous, les descendants, c'est-à-dire ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. Donc l'esprit de vérité, selon l'apôtre de Jean, dans son deuxième livre, le 1 Jean, il faut que ici, c'est un esprit de vérité. Voilà pourquoi il dit Jésus dit quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc celui-là sera un véritable, qui sera un homme de bien, selon la parole de Jésus-Christ ici. Il vous conduira dans toute la vérité. Ici, c'est de vous donner un peu de nous. En faisant comment? Car il ne parlera pas de lui-même. Donc, la troisième question, c'est ça. Ça veut dire que c'est une entité ou bien une personnalité qui est impatiente. Ça veut dire la personne impatiente qui cherche peut-être de lui. Puisqu'il dit ne parlera pas de lui-même. Il fera taire sa passion. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il y a deux idées. L'idée de la personne même-même qui fera taire. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a ses ambitions, qu'il faut taire. Merci, merci. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, ses ambitions qu'il faut taire. Et qu'il faut plutôt écouter plutôt ailleurs. Alors que nous savons que dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est présenté comme une partie divine. Si c'est une partie divine, alors le thème c'est Dieu. Qui est ce Dieu maintenant que le Dieu Saint-Esprit doit encore écouter? La parole chez lui, ça veut dire qu'il y a combien de dieux. Il dit si il ne parlera pas de lui-même, mais il a tout ce qu'il aura entendu. Mais si ça prouve que la personne n'est pas Dieu, il n'a rien de divin. Mais il serait juste un, c'est-à-dire le réceptacle pour dire aux gens
Ça dit, ça c'est les caractéristiques d'un messager. Et Paul, Jean également, dans son deuxième livre toujours, dit dans 1 Jean 2, verset 1, Jésus-Christ est le consolateur, notre avocat au tribunal, devant le tribunal céleste. C'est-à-dire, même Jésus-Christ est appelé consolateur par Jean pour montrer qu'ici, il s'agit d'un prophète de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui-même, dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit ceci, c'est lui qui prophétise. Au contraire, il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est-à-dire, le prophète a pour ordre de parler aux hommes, d'être édificateur, d'être exhortateur et d'être consolateur. Ça, c'est l'apôtre Jean-Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc maintenant, il y a beaucoup de questions ici que j'ai. La première, un autre consolateur. La seconde, le consolateur, sa venue conditionnée. Au verset 7, par le départ de Jésus-Christ. Qui est celui-là? C'est la question qui vous répond. Qui est celui-là qui viendra quand Jésus ne sera plus sur terre et qui va conduire les disciples dans la vérité? Toi maintenant, l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même. Qui est-ce, n'est-ce pas celui-là qui aura sa passion et qui va t'aider? Mais il dira tout ce qu'il aura en commun. C'est la troisième question. Là, au verset 14, il me glorifiera. C'est-à-dire, il faut que celui-là, quand on va chercher son nom, il parle de Jésus-Christ. En bien, qui glorifie Jésus-Christ, il me glorifiera. Louange à Allah. Allah qui est trop glorieux pour avoir un enfant. Donc ça, c'est l'indice de la parole du Seigneur qu'on doit garder. Mes chers frères, il dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous annoncera. Tout ce que le Père est en moi, tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi. Oh, pardon. Calme. Pardon. Oui. Une minute, quelques secondes. Tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi Jésus dit qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez parce que je veux faire. Donc ici, Jésus dit, regarde, Jésus-Christ dit à ses disciples, ils vont le voir avec un peu de temps. Ici, ça marque déjà que Jésus va parler à un moment donné quand il va partir à ses disciples. Et nous avons vu dans la Bible qu'il a parlé plus de fois. Et il dit, encore un peu de temps, vous me verrez plus, pas encore. Encore un autre temps, vous me verrez. Ça dit, il reviendra encore à la fin du temps. Mais ici, regarde, il reviendra encore à la fin du temps. Mais avant de venir, que le consolateur est déjà venu parler de lui. Ce sont, n'est-ce pas, les principes bibliques qui est clair. Donc, je peux d'abord m'arrêter à ces trois questions dans le chef. Hein. Donc, la première, c'est le verset 7 de Jean 16. De Jean 14, plutôt 26. Si vous respectez quand même mon commandement, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Donc, quel est ce. Commencez par nous citer l'autre consolateur. Et cet autre-là, maintenant, c'est qui? Deux, maintenant, la venue du consolateur, verset 7 de Jean 16, est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et enfin, le verset 14, le verset 13, quand il ne parlera pas de lui-même. Quel est ce consolateur qui aura une passion? Qui cherche à le dominer? Mais il laissera ça. Et il parle, il dira ce qu'il aura entendu. Il ne parle pas de lui-même, quoi, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Ok. Nous avons compris. La question. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais le consolateur, entre parenthèses, l'Esprit Saint, que le Père enverra à son nom. Hein? Moi, je vais vous dire la réponse à ce test. Avant d'aller nous donner un autre test. Parce que le test est envoyé, mais le consolateur. Et ils n'ont pas laissé, comment est-ce qu'ils veulent sans réponse. Le consolateur, c'est ce qui. Moi, je veux le verser, Jean 14, c'est pas Jean 14. C'est-à-dire que, mais le consolateur, figure l'Esprit Saint. Que le consolateur arrive, c'est que le consolateur, l'Esprit Saint, qui est précisé ici, sera éternellement avec nous.
Christ, étant humain, ne pouvait pas apporter. Oui. Donc la Bible vous dit que quand Jésus dit, et il vous donnera un autre consolateur, vous dites que bon, quand il dit un autre consolateur, comme s'il y a un autre consolateur, il se refait à l'une qui est un consolateur. Voyant 1 Jean 2, verset 1. Maintenant, la deuxième question. Parce que. J'ai laissé le dictionnaire à la maison, ça qui me. Ah, maintenant, quand on continue. Si l'Esprit Saint, bon, si le consolateur, comme vous le dites, n'est pas l'Esprit Saint, en d'autres termes, vous devez nous démontrer que celui qui est le consolateur est éternel. Et éternel, il n'est pas sans, il n'est pas la mort, il n'est pas assujetti à la mort. Puisque le consolateur va demeurer et guère. Et bien, moment, quand on va lire un Corinthien 3, verset 6, il dit : ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un de Dieu pour vous amener à la maison. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, parlant de Jésus. Je ne suis pas dit de porter ceci, lui qui vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. Donc, c'est Jésus qui se baptise du Saint-Esprit. Ce qui m'intéresse, c'est le baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est à dire que si le consolateur que vous proposez, le véritable consolateur, c'est-à-dire que c'est, il est le contrôle de Jésus. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui lui donne l'autorité d'agir. Parce que quand on dit que c'est Jésus qui baptise, c'est parce que c'est lui seul qui peut nous remplir de son Esprit Saint. Et maintenant, s'il faut aller plus loin, la fois passée, vous avez exprimé votre jour. C'est dans la Bible tout esprit. Je vais souligner que le texte que vous avez donné, qui peut éprouver tous les esprits. C'est bien. La Bible, c'est le français que nous utilisons. Mais si nous partons à l'origine des phrases de l'esprit, il y a un texte de Dieu qui dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit si nous sommes enfants de l'église. Hein? En d'autres termes, il ne faut pas confondre l'esprit de l'humain, hein, et l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, quand vous l'utilisez même, vous allez constater que dans la Bible, c'est en majesté. Le grand fait est en majesté. Et les esprits ne sont pas cet esprit de Dieu. Donc, pour nous faire comprendre justement que la Bible est claire par rapport au consolateur, c'est l'esprit. Et si vous voulez, vous allez dire que non, l'Esprit Saint, puisque la fois passée, là, nous avons donné en disant que non, c'est comme si l'Esprit Saint n'agissait que dès le moment où Jésus n'était pas parti. Mais je dois vous comprendre que l'Esprit Saint a. Donnez-moi le temps ici, d'accord. L'Esprit Saint a agi dès la création. Je vais arriver sur ça. Donc, je vais vous démontrer dans la Bible que la manifestation de l'Esprit Saint n'est pas seulement lorsque Jésus-Christ va partir. C'est qu'il entre en pleine action après le départ de Jésus. Mais dès la création, il est là présent. Je vais vous montrer dans la Bible. Si tu as fait. Je vous remercie, Alphonse, mais ce qui m'a attristé et que vous n'avez pas touché à une de mes questions politiques. Et les frères sont là témoins, puisque nous cherchons la vérité. La première chose que nous devons faire sur cette table, M. Alphonse, si nous cherchons la vérité, c'est de savoir la nature du consolateur. Bon, même si ce n'est pas Mohamed, mais si c'est Mohamed à côté, c'est de savoir la nature du consolateur. Parce que ici, vous allez faire, vous dites des choses, vous contredisez vous-même. Vous dites bien que le consolateur peut être un avocat. Non, c'est vrai.
Excusez-moi pour être du temps. Vous dites maintenant, il s'agit du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas Saint-Esprit, il était matériel visible. Et on est chrétien dit que c'est la manifestation même visible de Dieu sur la terre. Donc ça veut dire un autre consolateur, ça veut dire qu'il jouera le rôle, même rôle que Jésus, et plus que Jésus, vous l'avez dit. Ça veut dire qu'il sera aussi humain, ça veut dire humain, revêtu de ses chairs, et habité également par le Saint-Esprit. Donc on ne nie pas que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Et l'autre fois, je vous ai dit quoi? Que Saint-Esprit n'a pas un seul sens dans la Bible. Saint-Esprit n'a pas un seul. Il y a Saint-Esprit qui veut dire l'immatériel, matériel subsistant ou bien matériel, n'est-ce pas? Matériel, c'est-à-dire subsistance, c'est-à-dire qui donne la subsistance à l'être humain. Et nous avons vu dans Genèse 6, verset 3, Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire l'homme aussi esprit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais l'homme n'est que poussière et ses jours n'est que chair, plutôt. Ses jours sont de 120 ans. Maintenant, dans Genèse 2, verset également, Genèse 2, également, verset 7, Dieu dit, il a soufflé le souffle de vie à Adam. Ici, ce n'est pas identifié comme un corps immatériel. C'est immatériel dans le matériel. Il y a Saint-Esprit qui veut dire ange Gabriel. Nous avons vu l'ange qui est apparu à Marie. C'était l'ange Gabriel. L'ange, n'est-ce pas, qui est apparu, l'ange Gabriel qui est apparu, n'est-ce pas, à Corneille, à Césarée, pour en la Bible dit, voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il avait le Saint-Esprit en lui et il attendait le consolateur d'Israël. Voilà le verset, n'est-ce pas, qui est clair, qui montre que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Sinon, il avait le Saint-Esprit en lui et il attendait encore quel Saint-Esprit, frère. Vous venez de dire ici qu'il s'agit de Jésus-Christ comme un autre. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, frère. Il n'y a qu'un Saint-Esprit qui couvre les gens, soit la force de Dieu, soit couvre les prophètes, soit vient sous forme d'ange, d'ange Gabriel. Mais ici, on dit, je prierai le Père, le verset 16 de Jean 14. Il vous donnera un autre consolateur. Il n'y a pas deux esprits saints. Un autre, Jésus est un autre. Donc celui qui viendra et sera toujours matériel, comme Jésus-Christ, et aussi habité, aussi à son tour, par le Saint-Esprit. Et vous venez dire, il va faire les choses plus que Jésus. Et votre inquiétude, c'est au niveau du « il demeurera éternellement avec vous ». Même Jésus a dit quoi? C'est lui qui est « il demeurera éternellement avec vous ». Même Jésus a dit quoi? C'est lui qui est « et il s'en est, il s'en est. » Pourtant, ils attendaient qui? Le consolateur qui les avait annoncés. Mais Jésus les avait soufflé. Il n'y a pas Dieu. Vous comprenez un peu? Et ici, les trois questions que j'ai posées ici, les frères n'ont pas répondu. Les frères n'ont pas répondu. Et la première, j'ai dit un autre consolateur. Je veux savoir le premier consolateur. Il faut qu'on ici, le premier, c'est qu'il a cité juste Jésus. Oui. Je vais prendre, n'est-ce pas? Il reste combien? 1 minute. Oui, je vais prendre ici 2 Samuel chapitre 10 pour prouver le fait que le consolateur n'est pas l'Esprit Saint. Dans la Bible, le consolateur n'a jamais été l'Esprit Saint. Dans 2 Samuel. Chapitre 10, verset 3. Le roi David. Les chefs de filles d'Amon disent à nous, leur mère, pensez-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? David envoie les esprits saints? Non! Ce sont plutôt ceux qui avaient envoyé pour une mission. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, Job, chapitre 16, verset 2. Job, chapitre 16, verset 2. J'ai souvent entendu parler, je vous ai tous des consolateurs fâcheux. Mais ils sont tous les Saint-Esprit fâchés. Non, frère, le consolateur n'a jamais pris connotation de Saint-Esprit dans la Bible, jamais. Même le verset de Luc 2, verset que j'ai cité surtout, pour montrer que ce n'est pas le Saint-Esprit. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il avait le Saint-Esprit en lui et il attendait le consolateur d'Israël pour la consolation d'Israël. Et ce consolateur était Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2, Jésus-Christ est un homme qui a été divinant. Tribunal céleste. Avant d'être consolaté, il est humain. Jésus-Christ est humain. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 2, verset 5. Comme Jésus est aussi consolateur. Vous voyez que vous pouvez par exemple Jésus a un homme rempli du Saint-Esprit, vous l'appelez consolateur. Mais là, le consolateur qui vient vous dire qu'il n'est pas un homme. Ça sera la malhonnêteté intellectuelle, même vis-à-vis de la Bible. C'est-à-dire qu'on est en train de faire dire la Bible ne dit pas. Parce que si un consolateur, un autre est déjà Jésus. C'est-à-dire celui qui viendra, c'est un deuxième Jésus. C'est un deuxième Jésus. Sur quel plan? Plan physique et plan spirituel. Comme il est un deuxième Jésus maintenant, il n'est plus humain. Alors que Jésus était d'abord humain avant d'être esprit. Donc, je veux que ce qu'on soit juste.
n'est-ce pas, dans la pensée biblique, pasteur, on fait ce qu'on appelle la fidélité spirituelle. Dans les trois questions que j'ai posées et qui sont toujours là, sans réponse. Un autre consolateur, notre premier but, c'est d'identifier le consolateur. Laissez-moi nous parler à côté. On va voir ça après. Que c'est un être humain, comme dit la Bible, c'est sans réponse. Un autre consolateur, notre premier but, c'est d'identifier le consolateur. Laissez-moi nous parler à côté. On va voir ça après. Que c'est un être humain, comme dit la Bible, c'est sans réponse. Et un autre consolateur, un autre Il va prendre le coup de temps comme assez de tête. Oui, je veux quand même le passage de Matthieu 28 à partir du verset 19 et verset 20. À l'intérieur de toutes les nations de Dieu, les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai fait. Et voici, je suis avec vous tous. On ne peut pas parler, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On revient directement à ce qui concerne la divinité. La divinité, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est des choses. Vous avez pour ça. Et à ce qui concerne, le consolateur, comme vous connaissez bien, le consolateur, quand j'essaie un peu de le voir et que j'essaie un peu d'entrer dans ma pensée de Dieu, le Père ne peut pas agir sans le Fils. Et le Fils ne peut pas agir sans l'Esprit Saint. Regardons autour de nous. Tout ce qui a été, tout ce que Dieu a pu créer, il a d'abord fait en esprit avant de le matérialiser. Et à ce qui concerne le consolateur, je vais vous dire un livre où je vais vous mettre des actes d'apôtres. Je vais vous lire acte 4, acte chapitre 3, verset 2. Au discours de Pierre, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme Israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ces hommes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Bon, merci. Vous savez, mon frère, je vous suis. Vous savez que le débat qu'on est en train de faire là, dans le paradis éternel, c'est juste une connaissance. Et puis on a entre ces cibles là, que soit c'est le consolateur, c'est telle personne, ou ce n'est pas telle personne, nous on pense que c'est telle personne. Mais ça nous avance, ça ne donne pas le salut. Parce que moi je suis sûr que le salut est à une personne. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous croyez que vous avez la vie éternelle, vous croyez au nom du Fils de Dieu, au nom du Fils et du Dieu. Donc, voilà ce que vous avez la vie éternelle pour nous, en tout cas pour nous. On croit que Jésus a la vie éternelle. Dieu a tant que tout le monde a son Fils. Donc, c'est ça. Les autres aussi, c'est juste c'est la connaissance, du savoir la divinité, la trinité. Trois personnes en un seul Dieu. On dit trois personnes, ça veut dire que c'est des personnes, mais avant que
la Bible ne soit écrite, c'est-à-dire pas que le Nouveau Testament ne soit écrit. L'Ancien Testament a existé. L'Ancien Testament a existé avec ses, avec si et si seulement le Saint-Esprit est Dieu, il doit apparaître dans l'Ancien Testament. Parce que nous les autres, nous avons eu un père et une mère. Ma maman m'a accouché. Avant que ma maman m'accouche, on a aussi accouché mon père et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, ou bien Jésus, ou bien son père, ces trois personnes de la divinité là, n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils existent par eux-mêmes. Je le prouve avant d'arriver à cette question. Je vais le prouver, ce que je parle, je prouve. Il faut que je prouve cela. Parce que c'est les preuves qui sont importants avant de répondre à cette question. Je ne vais pas répondre, on n'a pas répondu à cette question. Il faut que je parle là, je vais d'abord la parole pour dire que Jésus a existé en tant qu'un être, en tant que Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. C'est-à-dire la parole qui était Dieu et qui était avec Dieu est devenue chair. Avant ça, Jésus n'était jamais un homme. Il n'a jamais été un homme. Il est toujours esprit. Quand il dit Dieu, parce que Jean 4 verset. Jean chapitre 4 verset. Quand il discute avec la femme là, la femme samaritaine au puits d'eau là, elle a soif. Il dit que, parce qu'on connaît, il faut d'abord reconnaître que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit que, il dit que, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout le monde l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Donc, et Jésus ne l'a pas blâmé pour cela. Donc, du coup, Jésus existe en tant que Dieu. Et la Bible nous dit que tant qu'on appelle quelqu'un Dieu, il est esprit. Jean 4, verset 4. Femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Hein? Car, hein? Car le salut de Dieu, car Dieu est esprit. Si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il est esprit. Si Jésus porte le titre de Dieu, ça veut dire que Dieu, Jésus a vécu comme un esprit saint, puisqu'il n'a pas péché. Or, maintenant, Dieu est esprit. Jésus est appelé Dieu, ça veut dire qu'il est esprit avant qu'il ne devienne homme. Parce que le moment il est devenu homme. Il est passé par une vierge pour prendre la forme humaine. Nous savons que la parole s'est faite chair. Ça veut dire qu'il est devenu chair. Ça veut dire qu'avant qu'il ne devienne chair, il était comment? Esprit. D'accord. Et là, c'était un passage là. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Il y a un endroit là, nous connaissons ici. On dit que car le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a aussi il y a la liberté. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Et c'est Jésus qui a fait ses œuvres. Maintenant, l'Esprit Saint. La Bible nous dit que pendant que Dieu dit, parce qu'on trouve ces trois personnes agir à la création, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre n'avait pas de forme. Ça veut dire quand il y a une forme, ça n'avait pas de forme. Il y avait les ténèbres. L'Esprit de Dieu n'est rien, n'est pas une personne physique. L'Esprit, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas physique, puisque Dieu est Esprit. L'Esprit, c'est quelque chose qui est immatériel, c'est une personne qui n'a pas de forme. Il y a trois esprits. Il y a l'Esprit Saint, hein, qui est Dieu. Il y a les autres esprits petits peu là, qui sont des anges. Hein? On nous dit que les salut par ce sont les esprits qui sont au service de Dieu. Envoyés pour exercer un salut. Envoyés pour exercer un parole de ceux qui vont mériter le salut. C'est pour dire que les anges ne sont-ils pas tous des esprits? On a jamais appelé un homme esprit. L'homme est fait de la chair, de la poussière, plus le souffle de Dieu que nous respirons. Depuis Dieu a mis ça. L'homme est fait de la poussière. Tu es poussière, tu le trouveras dans la poussière. Je veux d'abord expliquer comme ça avant d'arriver dans le trône du problème. Je veux que ce soit nous. Moi, j'explique c'est la Bible, qui est toujours dans la Bible. Il dit Dieu est esprit, premier esprit. Deuxième esprit, c'est les anges. Que ce soit bons anges qui sont restés avec les Gabriel là-bas, que ce soit les démons, c'est les mauvais anges. Ce qu'on appelle les esprits, on dit qu'il a l'esprit démoniaque. Ça veut dire qu'il y a un mauvais ange qui a tout en lui. Bon, voilà la deuxième catégorie d'anges qui sont des créatures. Rien n'arrive à eux, avec l'esprit, avec Dieu lui-même qui est esprit. Troisième catégorie d'esprit, c'est la pensée de l'homme. Mon esprit n'habitera plus, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire que Dieu communique par la conscience. La source des décisions que l'on prend là est appelée comme si ce n'était pas quelque chose de matériel. On explique ça, esprit, parce que c'est l'homme qui pense, il décide de le faire. Quand il décide, il mûrit le mal. C'est pas des pauses. On dit le cœur, ça veut dire dans la pensée. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire là, parce que le temps est vraiment sur le souci. Maintenant, le Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit de Dieu planait avant la création. Avant la création, on voit le Père, hein? On voit le Fils, la parole. Dieu dit,
on voit le Saint-Esprit qui plane à la surface de l'océan. Il y a des choses qui n'existent pas. Moi-même n'existe pas. Jésus, comment on appelle ça? Les autres prophètes, Isaïe, Jérémie, Moïse, n'existent pas. Mais le Saint-Esprit est déjà là à l'œuvre pour la création. C'est pour ça qu'il dit baptisez-le au nom du Père, du Fils. Il ne peut pas appeler un homme, il ne peut pas mettre un homme égal à son Père, égal à Dieu. Le Saint-Esprit donc est égal à eux trois, puisqu'il baptisez-le au nom du Père. Du Fils, il veut s'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit est un homme, une créature. Mais s'il ajoute au Saint-Esprit, on comprend que les trois personnes là ont été à la création. Je trouve avec un passage de la Bible que je ne m'arrête pas tout seul. On dit souvent le passage. On lit le passage. On lit le passage, s'il vous plaît. Je crois que c'est ça. Merci. Merci. Je dis sur mon passage. J'ai été long. Peut-être parce que tu as un peu parlé. Oui. Voilà ça ici. Ah, merci. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'Éternel dit, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, il dit, il parle aux anges. Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Là, comment on se regarde là? L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le haut. Les anges le connaissent comme moi, tu es fini là-bas. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble en famille. Le Père a fait sa sortie, nous sommes ici. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous au pluriel. Dieu parle à qui? Parce que les anges ne connaissent pas le mal. Dieu seul est omniscient, il connaît le mal. Là où je pourrais m'arrêter parce que je m'appelle. Mon frère, Dieu merci que juste dans ma question reste sur la table. Oui, oui, je sais. Suivez mon frère. Et ma question reste sur la table sans réponse. Oui, allez-y. Et si vous étiez dans un auditoire de télévision, vous aurez déjà exclu. Parce que je suis un habitué de midi. Parce que si vous êtes sorti, suivez mon frère. Quand je suis arrivé, je vous ai dit quoi? Non, ne cherchez pas à porter le profit. Sinon, vous donnez le profit. Non, cherchez plutôt la vérité. Parce que vous avez. Je vais commencer par vous, on est fini par lui. Vous dites, Dieu a dit, voilà qu'un homme est devenu comme l'un de nous. Frère, si tu avais étudié l'hébreu, si tu avais étudié, donc directement, quand tu as étudié subitement, que tu n'as pas appris l'hébreu, si tu avais étudié les textes ici en hébreu, tu devais savoir que chez les hébreux, les juifs et les arabes, même en français, il y a deux sortes de pluriels. Il y a le pluriel de majesté et le pluriel de respect. Et si le nous-ci, en hébreu, c'est un pluriel de respect, créons l'homme en notre humain, il n'était avec personne. Le Père était seul. Et suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, Dieu dans Ésaïe 41, verset 4, et Ésaïe chapitre 44, verset 6. Qui a fait toutes ces choses sinon que l'Éternel? Il a fait ces choses seul. Il est l'alpha, le premier des anges et le dernier des anges. Seul. Il dit, j'ai fait toutes ces choses seul. Maintenant, si tu prends ce test, tu confronts avec ton test, tu comprends qu'il y aura contradiction. Alors que la réalité, il n'y a pas de contradiction. Suivez. Alors que la réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est toi qui as mal interprété la Bible. Maintenant, quand tu dis l'un de nous, tu dis identifie le Fils alors que le mot Fils n'a pas été créé. Tu risques d'être maudit par Apocalypse 22, 18. Il dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Tu dis l'éternel avec le Fils alors que c'est un peu écrit. C'est un peu écrit là-bas. Non, je vais arriver dans Jean 1. Prenez votre patience, frère. Je vous écoutais. Même tout ce que vous disiez, ce n'était pas vrai. Mais je vous écoutais. C'est le principe du dialogue. Donc, ici, nous là, c'est le pluriel de respect. Et non, le pluriel, n'est-ce pas, le nombre. Dieu ne perd de personne. Il dit j'ai fait toute la terre, l'étendue seule. Dans les Ésaïe 41 et 44. Et deux maintenant. Là où vous avez touché le thème, en une minute, juste dans les 10 minutes, vous avez dit, l'esprit est multidimensionnel, ça m'a plu. Il y a l'esprit qui est dans Dieu pour Dieu, l'esprit qui est dans Dieu pour les petits esprits des anges, et l'esprit qui est comme pour l'homme, ce qu'il a soufflé. Ça m'a plu. Mais non, il faut identifier. Donc, pour savoir maintenant l'esprit, c'est seulement quoi? Les contextes. Et c'est ce que vous avez cité. Ça m'a plu. Maintenant, rentrons dans le contexte de Jean 16. Quel est cet esprit dans le multidimensionnel que vous venez de citer? Quel est cet esprit de vérité dont fait allusion? Est-ce l'esprit de l'homme? Est-ce l'esprit, n'est-ce pas, des anges, des petits anges? Ou c'est l'esprit de Dieu ou c'est Dieu lui-même? Ici, ce n'est pas, ça ne peut pas être Dieu, puisqu'il dit ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et y a-t-il quelqu'un au-dessus de Dieu? Non, frère, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu. Il ne s'agit pas ici aussi d'un ange. Parce que l'homme n'est venu jamais sur la terre pour causer aux hommes. Il causait juste avec le prophète et le prophète transmet aux gens. Il s'agit d'un homme. Selon même de vos propres dits que j'ai noté ici. C'est un nom. Voilà pourquoi cette Bible s'y a dit, c'est un nom. Et mon frère s'y a lu. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité, c'est deux tendants inhérents de l'homme.
l'homme de vérité et l'homme pécheur. C'est ça, et c'est Jésus a utilisé ça dans le contexte. Le contexte, c'est l'esprit, l'homme. C'est ce que je veux qu'on identifie comme consolateur. Vous êtes allé ailleurs maintenant, vous avez touché l'esprit de Dieu. Non, quand vous dites que l'esprit est Dieu, non, quand la Bible dit dans Jean 4, verset 24, alors Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit, c'est un sens. Il ne veut pas dire que Dieu est un esprit, non. Il veut dire que Dieu est invisible. C'est dans le sens que l'esprit Jésus veut dire à la femme samaritaine. Vous comprenez, sinon Dieu n'est pas esprit. Par quoi Jésus dira dans Jean chapitre, Luc chapitre 23, verset 46. On dit après, c'est dans Jésus cria sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après, c'est l'esprit-là. Si maintenant l'esprit c'est Dieu, quel est l'esprit que Dieu, Jésus a remis entre les mains de l'esprit? Donc, remets l'esprit entre les mains de l'esprit. Allez dehors! S'il vous plaît, les enfants là. Est-ce que. Oh! C'est la dernière fois. Frère, suivez bien. Est-ce qu'on remet l'esprit entre les mains de l'esprit? C'est impossible. Donc, ici, ça c'est. Et il dit ceci, Dieu est devenu un homme. Vous cherchez quoi, frère? Tu as lu dans quel livre? Dieu est dans Osée 11, verset 9. Je suis Dieu et non pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis pas un homme pour mentir. Mais Jésus aurait donné un propos mensonger dans la vie. On va vérifier. C'est pas ça le but. Tu comprends un peu? Je ne suis pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour me repentir. Oh, Jésus se faisait appeler qui? Fils de l'homme. Mais Dieu qui n'est pas fils de l'homme, frère. Donc ne viens pas la Bible, tu as le mieux dit la Bible, ce que la Bible ne dit pas. Et tu prends Jean chapitre 20, verset 27, où tout le monde aurait dit à Jésus, mais dans votre propre vie, va au verset 27. Je vais faire lire ça dans ta Bible, frère, pour montrer une chose que tu sautes. Et pour dire à la Bible que ce que la Bible ne dit pas. Jean chapitre 20, où Jésus aurait dit à Thomas, et Thomas aurait dit à Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Mon frère, regarde ici. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Tu vois quel point est ici? C'est quelle ponctuation ici? C'est l'exclamation, frère. C'est comme la voiture te prend, tu dis Seigneur Jésus-Christ. La voiture ne devient pas Dieu, frère. Vous interprétez pas la Bible. Si, frère, si ça voulait dire que Jésus est Dieu, ça va contredire le verset 17. Le verset 17, quoi? Jésus, il lui dit, c'est bien mal de manger là. Ne me touche pas. Car je suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire les disciples-là, y compris qui, Thomas, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Comment est-ce que va dire à les disciples que je parle vers Dieu et aussi votre Dieu, quand Thomas voit que Jésus l'appelle Dieu? Vous n'avez pas compris la vie de frère. Jean n'a jamais prouvé que Jésus est Dieu. Suivez, mon frère. Laissez-moi mon temps. Je ne sais pas si vous voulez parler, on vous donne le temps, frère. Mais juste qu'après. Notez juste, les gens ne cherchent pas à avoir la raison, mais la force des Écritures. Ici, donc vous n'avez pas compris pour moi. Jamais, un disciple n'a jamais conféré à Jésus le droit à la divinité. Et ça, c'est un autre thème qu'on le dirait ici pour défaut. Dévoile, Jésus n'a jamais été Dieu. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul propos où les disciples où Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. C'est les chrétiens qui ont posé ça après lui. Donc ici, tu dis Jean 1:1, au commencement de la parole, tu as mal compris Jean. Encore dans la Bible, frère. Jean n'a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 1:1, il ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Le problème que vous lisez la Bible, vous n'avez pas l'esprit biblique. Ici, vous lisez la Bible, il y a un livre roman pour tout. Ici, regarde frère, tout a été, ont été faits par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Note explicative, Somme 33, verset 6. Jean te dit, pour comprendre son passage, va à Somme 33. Au lieu de l'esprit, pour dire Jésus est Dieu, Jean t'envoie à Somme 33, verset 6, frère. Mais vous n'avez pas la Bible, vous lisez la Bible comme un roman. Dans Somme 33, verset 6, il est dit maintenant ici. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Et au verset là, il dit quand il décide une chose, son commandement, comme ça dit, soit, et la chose est aussitôt. Voilà ce qui est parole. Soit, et la chose est aussitôt. Qu'est-ce qui est aussitôt? Jésus-Christ. On comprend ici directement que Jésus est la manifestation de la parole de Dieu et non la parole de Dieu. Jésus était créé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, pour comprendre ce passage, Jean 1:1. Hébreux 10, verset 5 à 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit. Il dit à qui? À Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Si Dieu l'a formé un corps, il est que les gens forment le corps de Dieu. Ça, vous n'avez pas compris la Bible, frère. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie dit, Dieu dit, vous êtes dans mes mains comme l'argent entre les mains des portiers. Maintenant, par quoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus? C'est pas la parole. C'est pas Jésus qui est la parole. Mais c'est ce qui a formé le corps de Jésus. Et le verset 7, il voit. Il dit, je viens dans le livre du Revoir, dont il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il vient faire la volonté de Dieu, il est le même Dieu en même temps. Tu as devenu la Bible, tu as pas l'esprit biblique, frère. Donc ici, c'est un autre fait.
si je vais revenir là-bas, frère, ça serait une catastrophe. Donc ici, restons dans notre thème, frère. Ne sortons pas du thème. Et Dieu a cité Jean 3:7. Le monde ne veut pas dire le crime à midi. C'est Israël. C'est un débat que vous allez comprendre, c'est Israël. Et quiconque ne veut pas dire n'importe qui, quiconque est enfant d'Israël. Il faut lire tous ces contextes, ces paroles, il causa avec le contexte de docteur d'alors pour comprendre. Donc ici, je veux juste frère. Je prends pour le frère. Le frère parle de la Trinité. Dans Matthieu 28, verset 19, frère, la Trinité n'existe pas dans la Bible. Jésus, dans Marc 12, verset 28 à 29, il dit Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Eha. Lorsque le scribe lui dit quel est le premier de le commandement, Jésus n'a jamais dit il y a le Père par qui toute chose vient. Il y a moi le Fils, par qui tout s'accomplit. Il y a le Saint-Esprit, par qui tout se réalise. Et les trois nous sommes. Et il a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Quand il dit le Seigneur est trois. La Trinité a été créée au concile d'Éphèse, au concile de Constantinople, où on a créé le Saint-Esprit en 381. Et n'est-ce pas, totalisé ça en 431 au concile d'Éphèse par les catholiques. Donc vous êtes en train de suivre également les catholiques, frères. Non, la Trinité, donc il dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'ai dit ceci, arrivé à l'église adventiste. Regardez, vous allez baptiser les gens au nom de M. Alphonse, au nom de Pasteur Simon et Pasteur Guillaume. Ça veut dire des dieux communs. Hein? Non, ils ont des tâches différentes. Sans l'autre, le Père, c'est par qui toute chose vient. Ça veut dire sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Et Jésus a reconnu dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est inférieur à Dieu. Et voilà pourquoi dans Jean 14, verset 8, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Regarde, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Car je m'en vais au Père. Et le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 8. Le Père est plus, on appelle ça superlatif absolu. On peut lire. Non, je peux lire dans le livre, c'est pas la phrase, n'est pas la phrase. Oui, ok, donc je vais lire. Jean 14, verset 28. Non, 28. C'est moi qui ai dit 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je fais, oh, car le Père est plus grand que moi. On appelle ça supérieur. Que ce même Père est plus grand que lui qu'il est Dieu. Nous, on n'a pas compris Jésus, frère. Vous allez dire à Jésus ce que Jésus ne dit pas. Donc, je dis, frère. Nous sommes dans la divinité, vous partez ailleurs partout, restons dans notre terre. Ici, cette Bible dit, deux tendances inhérentes à l'homme est esprit de l'idée et esprit de l'erreur. Et on a démontré ici que le consolateur est un être humain habité par le Saint-Esprit. Et le frère a dit au départ, à moins si ce qu'on lui dit, il a dit au départ qu'il s'agissait de Jésus comme le Fils. Donc, commençons par le prier. La première question, aidez-moi à répondre. Quel est cet autre consolateur qui viendra et qui est qui sont passés. C'est tout. Oui. Non, c'est parce que vous avez ajouté. Il n'y avait pas plus de lui là. Non, non. Votre temps, c'est tout. Puisqu'il n'y a pas de lui, moi, il y a deux. Oui. Oui, merci. Merci. C'était plutôt le verset 23. Non, le verset 23. C'est que Jésus nous dit, nous aime tous. Jésus nous répond. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon cœur est là. Le nous revient. Je ne sais pas si c'est nous ou c'est lui. À moi, ça sera nous français. Si vous gardez ma parole, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a quand même au moins ce. Le pluralisme qui ressort là. Nous, c'est au moins la deuxième personne, la première personne du pluriel et non du singulier. Nous, là, maintenant, quand vous dites respect, la Bible n'a pas dit quelque part que le nous, c'est le respect. La Bible parle toujours du pluriel de plusieurs personnes en un seul Dieu. Donc, maintenant, ce que je vais dire sur la réponse, sur votre réponse, sur le consolateur. Parce que si on va aller dans tout ça là, on ne va pas arriver. Vous allez toujours venir sur la même question. Comment vous allez qu'on n'a pas répondu à votre question? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité parce qu'en Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, c'est une personne vivante. Dieu est une personne. Dieu n'est pas le vent. Dieu est une personne qui parle, qui est sage, qui agit, qui donne les commandements. C'est une personne. Il est assis, il est debout, il fait comme il veut.
Maintenant, le Saint-Esprit fait la même chose que Dieu. Nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5. Vous connaissez le passage là? Tu connais le passage de Acte 5? Acte 5. Tu peux prendre la partie du verset. L'histoire d'Ananias et Saphira. Regardez comment on qualifie le Saint-Esprit là-bas. Disons rapidement. Comment on appelle le Saint-Esprit? Bon. Par conséquent, ce n'est pas un verset. Verset. À partir du verset 1, acte 1. Acte chapitre 5. Il y a un homme nommé Ananias avec sa femme. Avec sa fille à sa femme, grandit une propriété et retient une partie du prix. Oui, papa, verset 3, parce que ça, ça va nous gagner en fait. On gagne. Et lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli, a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies obtenu une partie du prix méchant? Oui. Maintenant, on va au dernier, verset 4, dernière phrase. Verset 4, dernière phrase. Ce n'est pas. Ce n'est pas à des bêtes. Dernière phrase de après la téléphone, c'est parlant du Saint-Esprit. C'est pas là des hommes qui après qu'il a été bandit. Mais à Dieu. C'est pas vrai ça. Dans ce contexte, on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Dieu le Père. On parle du Saint-Esprit. Ananias a vendu les terrains des apôtres comme s'il n'y avait que l'amour. C'est pas aujourd'hui. Chacun vendait sa son champ. Il venait déposer les 300 000 et 500 000. Il parlait qu'Ananias a fait un fou avec sa femme à la maison. Ils ont venu donner la moitié. Bon, maintenant, eux, ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, c'était la Pentecôte. Ils venaient tous justement de recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. On peut faire ça avec Dieu. Mais du coup, le Saint-Esprit habite en l'homme. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en l'homme. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à côté d'un homme, pas à côté de l'homme, comme un ange. C'est les anges qui nous rendent comme l'ange de l'éternel temple autour de ceux qui nous craignent. Dieu dit que votre corps est le temple à l'intérieur. Le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand tu manques à un enfant de Dieu, hein, qui est quelqu'un qui mène une vie pieuse, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Bon, le Saint-Esprit ici est appelé Dieu parce que quand Pierre dit que c'est l'être, pourquoi ça s'est rempli ton cœur? Si bien que tu manques au Saint-Esprit. Pierre n'est pas le Saint-Esprit. Lui-même est d'accord avec moi. Pierre n'est pas le Saint-Esprit. Pierre, c'est la foule. Il est même également. Bon, ça veut dire que Pierre, en Pierre et aux autres apôtres, le Saint-Esprit était vivant et travaillait avec eux. Maintenant, quand tu fais me mentir, que tu fais le faux, l'Esprit me répète que tu as fait le faux, et c'est la Dieu que tu as menti. Maintenant, moi, ce que je sors là, c'est que Pierre, l'apôtre Pierre, appelle le Saint-Esprit quoi? Dieu. Il faut appeler ça votre nom. Ce n'est pas les hommes que tu as menti. Le Saint-Esprit que tu as menti là, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Mais ah, c'est Dieu. Quand je comprends ça, je souris. Je dis, mais, dans le Saint-Esprit est Dieu. Bon, je ne sais pas si le frère avait le côté là. De même que Emmanuel, qui est le nom qu'on a attribué à Jésus, le dit, Dieu est avec nous. Pas le Fils de Dieu. Dieu est avec nous, grand Dieu. Le Saint-Esprit est appelé ici Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, ça dit qu'on le bénisse avant qu'on travaille. Quand c'est pour ça, la grâce du sang. Ça veut dire maintenant, le même Saint-Esprit, quand il habite à nous, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit à goûter la vérité. Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas te tromper. On ne peut pas venir avec la Bible te tromper. On ne peut pas venir avec le Coran te tromper. On ne peut pas venir avec un autre livre te tromper. Parce que le Saint-Esprit te dit que ici c'est l'erreur. Vous savez qu'il vous conduira dans toute la vérité. Donc le vrai Saint-Esprit est là pour conduire les gens dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant on l'appelle consolateur. En réalité, la consolation, ça veut dire qu'on vient essuyer tes larmes. Quand tu es dans la. Quand tu ne restes pas triste. Surtout quand les gens ont peur. Pour revenir au point de vue. Enfin, quand quelqu'un a deuil, ou quand quelqu'un est habitué, on est habitué en famille. À un moment donné, tu veux te séparer de nous, tu rentres peut-être à la Mecque. Nous, on va rester comme ça, ou bien il ne sait pas trop. Dans un grand pays, on va rester comme ça. Hey, mon frère, tu vas à la réponse, les gens pleurent. Jésus dit dans ses apôtres, comme je parle, ne vous en faites, je ne vous laisserai pas en feu. Il y a une troisième personne qui a un rôle à jouer. Comme Jésus ne peut pas être partout, l'ancien a dit. Jésus ne peut pas être. À, comment on appelle ça? En Israël, en même temps être en Arabie Saoudite, en même temps être en Palestine, en même temps non. Jésus était limité dans un corps. C'est pour ça qu'il est avantageux que j'y m'en aille. Maintenant, il y a une autre personne qui ne peut pas être retenue dans un corps. C'est pour dire que l'esprit n'est pas matériel. L'esprit n'est pas, par contre, à la création. Il planait à la surface des eaux. Ça veut dire qu'il est omniscient, sauf ça quand même. Faut lire ça. Où tu aurais loin de ton esprit? Où me cacherai dans ton esprit? Si je monte au ciel, il est là. Si je passe au ciel, ça veut dire que le ciel, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Sauf que ça, quand même, c'est tout ça.
si je confierais chez moi de ton esprit, si je prends les ailes pour aller là-bas dans le soudain, tu sais que ce gars-là veut m'attendre, il n'est pas lui. Par conséquent, il se met partout dans toutes les croix, dans le consolateur, donc, il s'agit de que je suis à jour le consolateur. Il a consolé, il a su les larmes de ses apôtres. Il les a donné l'assurance qu'il va revenir. Bon, maintenant, eux-mêmes, ils ne peuvent pas travailler la mission de l'évangile. On ensemble. Eux-mêmes, les apôtres sont incapables parce que Jésus les avait promis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je vous donne une puissance. Il faut que la troisième personne soit sur la table. Jean 14, 16. Ça, c'est une tombe précipitée. Je prierai le Père vous donnera un autre consolateur. Qui est cet autre consolateur qui est passé avant et qui est le nouveau qui sera semblant? L'autre veut dire quoi en français? C'est ton semblable plutôt sans être toi. Ton semblable sans être toi. Il sera semblant à lui, mais sans être lui. Et le Père dit au départ, il ne fait que répéter. Il sera même plus que lui. Il vous conduira à toute la vérité. Allez. Et après, à la fin de ce débat, vous allez me dire quelle vérité le Saint-Esprit a conduit les gens. Sur tous les plans, que ce soit social, économique et politique. Nous allons citer même cinq saints. Saint dans le social, saint dans l'économie et saint dans la politique qui nous a conduit dans cette vérité. Vous ne comprenez pas. Dès maintenant, le frère dit aux extrémités, tu n'as pas l'esprit biblique, frère. Excuse-moi de dire ça. Tu lis la Bible comme un roman photo. Mais le problème, c'est ce que j'ai constaté chez mon frère Désiré. Il lit la Bible sans s'intéresser de l'histoire de la rédaction de la Bible. Je vais toujours lire la parole de mon frère Désiré. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il ne s'agit pas d'extrémité de la terre, il ne veut pas dire l'humanité entière. C'est parce que tu n'as pas compris le contexte. Quand Jésus a commencé sa mission, avant de lire ce verset, pour que tu comprennes bien dans les actes, les mêmes actes que tu as cités. Avant qu'elle a choisi ses disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, la Bible dit tels sont les douze que Jésus-Christ avait choisi après avoir donné les instructions suivantes. Suis encore la deuxième fois. N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. C'est déjà pour dire les gens. Vous ne comprenez pas la civilisation sociale. Mais allez finir pour Jésus. Mais si maintenant l'ordre était donné par Jésus selon Matthieu 28, que le frère a donné, était allé à l'humanité, pourquoi encore agresser Pierre? C'est seulement Pierre qui avait compris cet ordre et les 11 autres n'avaient pas compris. Vous ne comprenez pas les versets bibliques, frère. Restituez les choses dans leur contexte. Ne prenez pas les versets hors contexte pour en faire des prétextes. Dans Acte 2 maintenant, comprenez, extrémité de la terre veut pas l'humanité. Ça veut dire quoi? Comprends maintenant. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Oui, on dit maintenant, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup vint du ciel, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns et les autres. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et l'Esprit, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, c'est le verset ce qu'il faut oublier à jamais, et mémorise bien le verset 5. Or, il y avait à Jérusalem, en ces jours, les Juifs ont Dieu de toutes les nations qui sont sous ce ciel. Ce n'était pas l'humanité, c'était les Juifs qui étaient répandus partout. On dit sous ce ciel, c'est-à-dire il y a les Juifs qui étaient en Afrique, les Juifs qui étaient en Inde, les Juifs qui étaient en Europe, partout. On dit les Juifs, ce jour. C'était les Juifs qui venaient là-bas. Donc tu comprends déjà que l'unique éthiopien qui sortait de l'Éthiopie n'était pas un païen. C'était un Juif de Falacha. Il venait maintenant lire le livre d'Ésaïe 53. Mais il ne comprenait pas le sens. Dieu a donné le permis à Philippe de lui faire comprendre le sens. On dit qu'il y avait les Juifs venus sous ce ciel. Qui sont sous ce ciel. Qui étaient sous ce ciel. C'est ça qui dit extrémité de la guerre. Voilà pourquoi quand tu le lis de Jacques, Jacques chapitre 1, qui est le frère du Seigneur. Jacques 1:1, il dit l'être aux douze qui sont dans la dispersion. L'être de Jacques, serviteur de Dieu, appelé pour être, n'est-ce pas, qui? Pour les gens. Aux douze qui sont dans la dispersion. Frère, quels sont les douze? Douze, n'est-ce pas, tribus qui étaient dans la dispersion.
c'est qu'est-ce qu'une question que je pose au livre à toi. Tu vas me dire les doubles qui étaient dans la dispersion. Parce que la Bible dit dans, non, tu vas me dire, dans Acte 11, verset 19, on dit, après la persécution qui était subie à Étienne, les Juifs, les disciples sont, d'autres étaient allés de Pagnos, d'autres en Turquie, d'autres n'étaient pas à Philistie, ne prêchant l'évangile aux Juifs. Ils ont fui la persécution, ils sont allés partout, même Jean est mort à l'île de Pagnos en prison. Mais ne parlait l'évangile aux Juifs, frère. Parce que c'était interdit pour le Seigneur d'aller chez les païens. Et quand Paul vient m'entrer chez Cornélie, il a dit quoi? Tu sais qu'il est interdit à un Juif de s'allier à un païen. Qui est interdit? Qui les avait interdits? Vous ne comprenez pas le sens de la Bible. Tu n'as pas l'esprit biblique, frère. Tu n'as pas l'esprit biblique, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et on parle même de ce Saint-Esprit-là. Donc ici maintenant, tu dis, le frère dit une chose grave. Il dit Emmanuel, c'est Jésus. Qui t'a dit qu'Emmanuel, c'est Jésus? C'est une fausse progression attribuée à Jésus-Christ. Par Matthieu, il y a beaucoup de gens dans les bandes de Matthieu, frère. Là, il faut faire la théologie, vous connaissez ça. Dans Matthieu 27, une erreur flagrante, reconnue par les savants chrétiens. Matthieu 27, verset 9, il dit, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que avait dit le prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent et l'ont jeté dans les champs des portiers. Pourtant, ce n'est pas Jérémie qui avait décidé Zacharie. Dans Zacharie, au 12, verset 11. Et cette erreur est reconnue par tous les savants, protestants, tous les savants, n'est-ce pas, même des adventistes, même des savants, n'est-ce pas, catholiques, que c'est une erreur dans les bandes de Matthieu. Pour montrer que ça, c'est un Matthieu grec convertu au christianisme, parce que l'authentique était demandé en grec. Alors que le Matthieu, disciple de Jésus, était gardé, qui prenait les bœufs, son évangile gardé au disciple de Rome, après il a lu une autre partie, même caché à Rome. Donc faites des recherches, frère, ne lisez pas seulement les versets de Jésus. Dès maintenant, il ne s'agit pas de Jésus, que Esaïe parle de Esaïe 9, 5. On l'appelle Admirable Éternel, prince de paix. Jésus n'a jamais été prince de paix. Jésus n'a jamais été prince de paix. Il dit dans Matthieu 10, verset 28, ne pense pas que je suis venu apporter la paix. Je suis venu non pas apporter la paix, mais l'épée. Jésus est venu apporter l'épée. Pourquoi? Parce que désormais dans une maison, il y aura quoi? Division. Division pourquoi? Parce que si le Père accepte la parole de Jésus et le Fils refuse, ça devient quoi? La guerre. Il a dit que alors c'est lui qui est le Seigneur de la paix. Qui est-il? C'est ça la question. Tu appelles Jésus. Pour, mon frère, pour comprendre, va dans Isaïe 7. Oui, ça est Emmanuel. Il s'agit de, on dit ceci, cet enfant s'appellera le parce que la jeune fille, elle deviendra enceinte. Le mot que je dis dans les deux, c'est Alma, une jeune fille, c'est pas du tout la vie de vierge. Cet enfant, n'est-ce pas, donnera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il mangera du pain et du miel. Donc, deuxième question, tu vas montrer où Jésus a mangé du pain et du miel pour prouver que c'est lui. Parce que tous les aspects-là, la question ne négligeait pas. Tu me montres où Jésus a mangé du pain et du miel, je le baptise. Ici, pour montrer que c'est pas lui. Tu lis la Bible, tu n'as pas l'esprit public, frère. Dieu maintenant, et avant que cet enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays de deux rois dont tu fais seront abandonnés. Dieu m'a fait deux rois, Jésus craignait son roi. Il faut le dire. Jésus est venu, il craignait que deux rois. Il craignait que le roi est roi. Il craignait que deux rois. Ne forcez pas les prophéties, frère. Et Dieu maintenant dit, quand Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons habiter chez lui. Quand Jésus dit que Dieu est venu, je vais habiter, ça veut pas dire que je viendrai à la mort. Moi, c'est lui ici à Jésus, c'est la part de Jésus. Pourquoi tu l'as vu, tu n'as pas l'esprit public? Il dit, lui viendra habiter chez lui. Ça veut dire, sa vie sur le social, ça sera le Dieu de Dieu et Jésus. L'économie, ça sera Jésus et Dieu. La politique, ses paroles, il sera l'incarnation de la parole. Voilà, Jésus-Christ, quand il dit, comme un avec Dieu, c'est dans leur volonté commune, c'est pas dans leur corps. Paul a dit que quand celui qui se couche avec la prostituée forme un, et ça veut dire que tu connais la prostituée. Tu l'as vu, tu n'as pas l'esprit public, frère. Je dis, toi, particulièrement, toi, frère, Dieu. Tu n'as pas l'esprit saint. Tu n'as pas l'esprit saint. Donc, Dieu dit quand même la Genèse 2, 24, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire une saucisse, comme toi, tu comprends les écritures. Non, ils sont une seule chair, pas le lien de mariage qui est lié, mais restent deux personnes distinctes. C'est la même chose que Jésus et Dieu. Et dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils restent distincts, mais ils sont unis par leur lien, la volonté qui les lie. Voilà pourquoi il a utilisé la même chose pour ses disciples. Dans Jean 17, garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Il faut aussi les disciples de Dieu, 12 disciples, 12 dieux. Puis Jésus, 14, 13 dieux. Et puis Allah, avec 14 dieux. C'est ça votre compréhension. Tu n'as pas l'esprit, c'est vrai. Et quand tu n'as pas l'esprit, c'est un danger. Tu finis par dire la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et Apocalypse, on va te maudit. Je crains que tu sois maudit par la Bible. Et que tu dis même chose sans même comprendre ce que tu dis. Donc, frère, revenons sur le sujet. Voilà 8 minutes. Il manque 1 minute net. Quel est le consolateur? J'ai posé 3 questions au début. Jusqu'à maintenant, c'est sur la table. Il faut me convaincre ici, frère. Un autre consolateur. Qui est le premier qui était passé? Et qui est le second? Mon ami Alphonse nous a aidé en disant que le premier c'est Jésus-Christ. C'est bien. Vous savez, or Jésus était matérialisé avant d'avoir le Saint-Esprit.
Il était humain sur terre, vous avez bien dit. Donc le consolateur sera son semblable, mais pas lui. Maintenant, vous dites c'est lui, être humain, habité par le Saint-Esprit, mais le consolateur qui vient n'est pas être humain. Ça, c'est la maladie intellectuelle, frère. Ça, c'est cacher la vérité. Et Dieu, maintenant, la venue du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit avant de partir. Dans Jean 20, 22, recevez le Saint-Esprit à ses disciples. On dit après ce mot, il souffla sur eux. Quel essai, n'est-ce pas, ce Saint-Esprit que les disciples attendent ayant le Saint-Esprit à eux. Donc il y a une vérité qu'on cache du pouvoir. Et toi maintenant, il fera taire sa passion. Il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire ce consolateur taira sa passion. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous avez dit que le consolateur c'est Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit Saint, frère. Si le consolateur, l'Esprit Saint c'est Dieu, on dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Si le consolateur, l'Esprit Saint est Dieu, ça veut dire que Dieu ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est ça? Qui lui dira? Qui dira Dieu? Donc Dieu attend de le voir quelque part. Non, non, je ne peux pas répondre, je veux que tu le répondes. Je t'ai posé ces questions. C'est fini. Oui, les trois questions sont toujours là. Ok. Donc je prends la parole. Merci parce que vous avez la possibilité de juger ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Maintenant, pour moi, oui. Ce que je veux dire, la Bible est claire. Je comprends pourquoi on ne peut même pas s'accorder. Et on peut même passer des années sans faire que ce soit, on ne devrait jamais finir parce qu'on ne s'accorde pas sur la parole. C'est la base. Alors, si on s'accordait d'abord que la Bible aussi est vérité, je pense qu'on ne devrait pas avoir problème. Parce que vous avez souligné ici là que Matthieu, même là, a dit des choses qui ne sont pas claires. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas s'accorder. C'est vrai, parce qu'on n'a pas une référence où on peut dire que, bon, on prend cette référence pour pouvoir s'accorder. Donc, quel que soit le débat qu'on va faire, puisqu'on sait déjà qu'ici, là, puisque vous savez que dans ça, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ont été mal dites, on ne peut jamais s'entendre. Là, c'est déjà quelque chose. Donc, c'est un débat que je pense qui va aboutir à quelque chose. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que pour en effet restituer certaines choses, la Bible est claire, l'Évangile, Jésus n'est pas le Jésus du peuple d'Israël. Paul, en effet, par sa manière de se comporter, a démontré qu'il a prêché l'Évangile même aux païens. Dans Acte 18, il va dire ceci. Je pense que c'est Acte 18. C'est là où il a dit que tous. Bon, c'est Acte 20, voilà. Oui. Il va dire par exemple au verset 20. Oui, je vais en fait avec lui. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Il a bien souligné, annonçant aux Juifs et aux Grecs. Je pense que là c'est clair. Vous savez vous-même que Paul n'a pas été. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez le parcours, les villes que Paul a sillonné pour prêcher l'Évangile. Il est même arrivé en Grèce, même en Italie, pour prêcher. Donc, vous dites qu'il n'arrivait pas dans cette ville, fermez la bouche. Vous dites que non, Jésus-Christ ne vous concerne pas. Et par rapport à Pierre, le comportement de Pierre par rapport aux païens, c'était parce que Pierre, en effet, n'avait pas compris. C'est pour cette raison qu'il a eu la vision, cette vision qu'il présentait, les animaux impurs. Et après ça, il a compris, puisque Dieu lui permettait à recevoir Cornelius, qui était un païen, dont l'évangile n'était pas seulement fait pour les Juifs. Donc, juste pour ça, bon, revenons sur le thème. Je veux dire, on a lu 1 Jean 2, verset 1, où on a dit que Jésus-Christ est notre avocat. Disant que Jésus-Christ, avocat avec le bon. Quand vous posez la question, quel est l'autre consolateur? Je vous ai dit que la Bible est claire dans Jean 16. Je ne sais pas si je suis peut-être parce qu'il ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint. Le consolateur, l'Esprit Saint, que je veux, que le Père enverra en mon nom, vous enseigne toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Seth vous appelait parce qu'il a dit quelque chose, il ne parlera, il ne dira pas ce qu'il aime, mais il dira ce que l'autre, il confirmera ce que Jésus t'a dit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ne dis pas ça. Bon. Ne défend même pas la vie parce que c'est grave. Bon, il enseignera le consolateur, l'Esprit Saint, il vous conduira tout avec, car il ne parlera pas de lui-même. Mmh. Voilà. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera toutes choses à venir. Merci. De même comme Jésus-Christ l'a fait. Hein? Mmh. Est-ce que Jésus-Christ a parlé de lui-même? Non. Hein? Il n'a pas parlé de lui. Écoute, hein? Il n'est pas Dieu. Il a parlé de qui? De Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Par Dieu. Contradiction. Non, laissez-moi aller ici. Excusez-moi. Et dès, lorsque nous voyons, dès que nous voyons, Jésus-Christ a été envoyé par qui? Par son Père, n'est-ce pas? Et Dieu. Dès que nous voyons le baptême de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ va sortir des eaux du baptême, si vous acceptez le baptême de Jésus, alors nous voyons la manifestation du Père. Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Nous voyons l'Esprit Saint se manifester sur Jésus-Christ. Donc nous voyons ces trois personnes de la divinité, même si vous n'acceptez pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La conception de Jésus-Christ a été faite par la puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, quand vous analysez, que vous le voulez ou pas, ces trois personnes sont toujours liées dans les actions qu'ils accomplissent, que vous voulez ou pas. L'homme, vous allez dire que l'homme dit qu'il ne va pas parler de lui-même. Comment il peut dire qu'il ne parle pas de lui-même? Je veux savoir l'autre consolateur, c'est qui? L'autre consolateur, je vous dis que c'est l'Esprit. Je ne sais pas si depuis on ne se comprend pas. Hein? Je ne sais pas si on ne se comprend pas. L'autre consolateur, c'est l'Esprit Saint. Hein? Maintenant, si vous voulez dire l'Esprit Saint, peut-être vous dites l'Esprit Saint, c'est qui? L'Esprit Saint, tu veux que vous. L'Esprit Saint, Dieu l'a dit. C'est compliqué, oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Certes, je comprends bien votre préoccupation. Parce qu'ils se disent qu'ils ont donné le test de Zacharie, le test où il a été rempli du Saint-Esprit. Et alors, ils n'arrivent pas à comprendre comment l'Esprit Saint agissait. Et Jésus dit encore, je vais vous envoyer un autre consolateur qui est l'Esprit Saint. Dans d'autres termes, il y a contradiction. Vous voyez un peu le problème. Est-ce que la venue de Jésus-Christ a à ne pas anéantir la présence de l'Esprit Saint. C'est là maintenant qu'il faut comprendre. Même dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Disons par exemple, certains textes dans l'Ancien Testament. On va prendre certains textes dans l'Ancien Testament, comme dans Samuel. Je vais mettre ce test-là. Je peux parler. Voilà, nous allons dire par exemple Jude. Prenons Jude par exemple chapitre 6 et lisons le verset 34. Ça nous parle du juge Gédéon. On dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il sonna de la trompette. Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Là. Donc, est-ce que l'Esprit de Dieu agit simplement lorsque Jésus qui devait partir? On a vu dès la création que l'Esprit de Dieu était présent. Faisons l'homme à notre ressemblance. Il y a tant de versets. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand il dit le consolateur, Jésus-Christ dit, je vous enverrai un autre consolateur. Dans lequel nous sommes en train de. Jésus-Christ est venu accomplir une mission. Cette mission était de sauver l'humanité. La compréhension du plan du salut, la compréhension de ce que Jésus-Christ a fait aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, n'est compris que si l'Esprit de Dieu ne parle.
tu ne pourras jamais me dire que dans ton cœur, l'Esprit de Dieu ne te parle pas pour dire que ce que tu fais là, tu vas dire que c'est ta conscience. Mais qu'est-ce qui parle à ta conscience? Il y a même trois niveaux. L'Esprit de Dieu parle aux païens, à ceux qui n'ont pas accepté Christ, comment? Il agit de l'extérieur en agissant dans notre conscience pour lui dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à nous. Il doit le convaincre du péché. Il convainc l'homme qui n'est pas en Dieu comment? Pas en agissant de l'extérieur pour nous amener par notre conscience pour nous faire comprendre que ce que tu fais là n'est pas bien. Et maintenant, quand tu prends conscience que tu es en train de pécher, tu l'acceptes, alors il demeure en toi. Ne peut recevoir l'Esprit, c'est quand il recevra maintenant que celui qui a accepté qui? Jésus-Christ. Celui qui reçoit l'Esprit, toutes personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'ils ont d'abord accepté Jésus-Christ. Quand les apôtres ont été baptisés, oui, baptisés par le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils avaient accepté Christ. Et l'Esprit Saint, Dieu, comme c'est Dieu qui baptise, et Dieu les a accordé l'Esprit. Donc je suis en train de dire clairement ici, la question que je vais vous poser pour finir. Démontrez-nous donc, que c'est l'autre. Mais depuis là, on n'arrive pas. Okay. Bon, démontrez-nous alors que c'est l'autre. Hein? Maintenant, c'est bon. Démontrez-nous. C'est bon, Alphonse. C'est bon pour quoi? Oui. Alphonse a voulu du bas ici. Voilà. Dit, la question, vous ne pouvez pas répondre. Mais non, c'est pas ça, on ne peut pas avoir. Suivez, c'est moi qui ai oui, vas-y. C'est moi qui ai l'état. Vas-y. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Vous n'avez pas l'Esprit biblique. Vous lisez la Bible sans avoir l'Esprit biblique. Je suis en train de constater ça en vous. Regardez ce qu'il a en fait. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. C'est vous qui avez des philosophies. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour les chrétiens qui croient à la Trinité, mais ils lisent la même Bible. Vous allez d'abord dire la Bible ce que la Bible ne dit même pas. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Au départ, je vous ai dit quoi là-bas? Restons dans les Écritures. Ce que vous faites est interdit par Paul. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas. Pas de vraies tromperies. Ce que vous faites en s'appuyant sur les philosophies humaines. Maintenant, il dit, bon, ça veut dire, c'est pas toi qui es la Bible. Tu es venu trouver la Bible, frère. Et tu vas mourir sur la Bible. Maintenant, tu commences à philosopher. Bon, comme l'apôtre, non, restons dans les Écritures, frère. Maintenant, regardez ce que. Manonité intéresse. J'appelle ça manonité. Vous dites que le consolateur c'est Jésus-Christ, l'autre qui était. Et l'autre qui vient le Saint-Esprit. Et on comprend. L'autre qui vient le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus-Christ. L'autre c'est ton semblable sans être toi. C'est-à-dire Jésus-Christ était le Saint-Esprit. Pourtant on le voyait être humain avant d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est là où il y a le problème. Et Dieu maintenant vous faites en même temps le Saint-Esprit Dieu. Oh, en parlant de celui qui vient, on dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Si le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire qu'il est inférieur. Dieu est inférieur à qui? Frère, ne cachez pas la vérité sciemment. Dieu est inférieur à qui? Et le frère a demandé qui est celui-là. Je vais vous donner celui-là. Regardez cette Bible. Bible des peuples. Pas le Coran. Bible des peuples. Des peuples. Il faut. Bible des peuples. Catholique. Bible des peuples. Votre mère. Non, bon, allez-y. C'est votre mère, non? Allez-y. Quelle mère? Tu as le droit de respecter les catholiques. Non, on va l'expliquer. Vous restez, puisque vous revenez pour expliquer la Trinité de qui? Qui a créé la Trinité après 100 ans d'un conseil des fesses? Pour la première fois. Vous étiez où? Les ambassades étaient au puisque je peux vous donner votre acte de naissance ici. Si vous voulez, je donne votre acte de naissance. Où vous êtes sorti? Bon, ici, maintenant, pas les protestants. Donc, ici, frère, regarde. Viens ici, mon frère. Lorsque Mohamed se présentera comme nouveau prophète, c'est le Coran qui parle. Son nom est mentionné. Mentionné. Donnez le texte, non? C'est dans le commentaire. Dans le commentaire. Suivez. Oui, c'est bien, on rejette. On rejette. Donnez-nous le test, c'est simple. Non, il n'allait pas. Suivez. En annonçant, n'est-ce pas, celui qui viendra comme promis à Dieu Abraham. Il dit ceci. Lorsque Mohamed, nommément cité, lorsque Mohamed se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, il va parler de verset biblique. Et le consolateur, ce que Jésus avait dit, il prendra les étés à moi, il fera comment? Il vous annoncera. Et il rappellera quoi? Les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Mais il ne fera pas. Suivez, s'il vous plaît. Mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu. Et de faire observer, prier et commandement. Il rappellera tout ça. Oh, Jésus vient maintenant, il vous dit quoi? Il ne parlera pas de lui-même.
Il ne parlera pas de lui-même, le but. On va passer sur le but de Syrie. Il ne parlera pas de lui-même. Hein, frère? Frère, il faut la vérité. Ne comprends pas ce que la France est désirée parce que eux, ils n'ont pas la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Nouveau prophète qui rappellera selon la tradition. Maintenant, demandons aux frères, parce que mon frère a vraiment qui est cet homme maintenant? Qui est celui-là? Si lui, eux ne comprennent pas, j'ai pris cette Bible-ci. Jérusalem, qui n'est plus peuple. Ça, c'est Jérusalem maintenant. Ok. On dit ça. Jérusalem. Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Parlant de Jean 14, 16, l'autre lui dit qui? Cette Bible explique. Ce n'est pas Imam Mokhtar qui explique. Cette Bible explique l'autre. L'autre, il dit quoi? Il dit esprit de vérité et esprit de l'erreur pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Ah, ah. Pourquoi vous rejetez cette Bible avant vous? On dit c'est l'homme, vous dites c'est l'Esprit Saint. Mais vous dites l'Esprit Saint, vous avez. Bon. Bon, maintenant, c'est l'Esprit Saint. Je vais le tester qui dit que c'est l'Esprit Saint. Même dans le commentaire. Voici le test qui dit que c'est l'Esprit Saint. C'est l'homme ayant écrit. Maintenant, je vous demande maintenant de nous le test qui dit que c'est l'Esprit Saint. Avec le commentaire, comme cette Bible-ci. S'il n'a pas, c'est pas la vérité. Et on cherche maintenant qui est cet homme. Selon cette Bible-ci. Bon. Ici, Jérusalem dit que c'est un homme. Que c'est Dieu, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est Dieu, n'est-ce pas, tendance inhérente à l'homme. Et Jésus était homme aussi. Avant d'être avocat des gens au tribunal céleste. Et il y a l'esprit de vérité. Pour voir si cela peut faire. Il y a l'esprit de mal, l'esprit de l'erreur. Cette Bible se le dit. Maintenant, quand vous dites que c'est l'esprit, ça vous appuyez sur quoi? C'est sur les philosophies empruntées, vous violez la loi de Paul. Donc si Paul était dans mon frère, je craignais de vous allumer. Parce que vous allez dire ce que Paul n'a pas dit. Et vous allumez. Bon, regarde par exemple, mon frère Apostle, acteur 20, verset 20. On dit que Paul a annoncé l'évangile aux Juifs. Paul n'est pas disciple de Jésus-Christ. Paul n'est pas apôtre de Jésus-Christ. Paul n'est pas un apôtre. Paul est un disciple. L'autre fois, je vous ai dit quoi? Ne confondez jamais disciple et apôtre. Jésus avait juste 12 apôtres. On les connaît. Dans Matthieu 10, verset 1 à 4. Mais il avait plus de 3000, 9000. Le frère désiré a parlé de 3000, ce n'était pas 3000. C'était plus jusqu'à 9000. C'était plus jusqu'à 9000. Le jour de la Pentecôte, il y a plusieurs personnes qui étaient juifs qui ont compris la parole, ils ont mis en pratique. Il était 3000, 6000, 8000 juifs. Et tous étaient appelés des disciples de Jésus-Christ. Mais les apôtres, ils n'avaient que tous. C'est Paul qui a dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et il est un païen. Paul qui reconnaît lui-même que vous n'êtes pas dans l'alliance. Dans Romains chapitre 11, verset 23, Paul dit ceci. Vous êtes la branche religieuse, vous êtes la branche religieuse sauvage, coupée et griffée à l'olivier franc. Quel est l'olivier franc et quel est l'olivier sauvage? C'est toi et moi qui est sauvage, frère, et coupé et griffé par la grâce. Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez qui? Étranger aux alliances. La Bible ne vous concerne pas, frère. Et vous allez dire, mais Paul, ce que Paul n'a pas dit. Vous voyez, si Paul venait de vous claquer, il dit bien vous étiez étranger à l'alliance. Il dit bon, regardez, celui qui m'a fait disciple pour les qui? Les païens. Et celui qui avait fait disciple pour les qui? Les juifs. Dans Galates 2. Il reconnaît que Pierre est le chef de tous les disciples à qui le maître a remis la clé des trésors des cieux et de la terre pour les juifs. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre prend la parole. Il dit dans Actes 5, verset 29 à 31, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué à l'épreuve au roi. Dieu l'a placé par sa gloire comme prince et sauveur, afin de donner à qui? À Israël la repentance. Il n'y a pas le mot de Dieu. Tu as vu dans la Bible. Tout ça va nous dire, frère. Mais soit les dieux, fais attention. La Bible dit d'ajouter un point. Moi, je sais la Bible, toi, tu as dit. Il dit maintenant, afin de donner à Israël la repentance. Non, je n'ai pas donné. Suis. Ces choses nous sommes témoins. Et le Saint-Esprit est. Donc, si tu as l'Esprit qui te dit que Jésus est envoyé pour le monde entier, c'est le Fils satanique. On dit, l'Esprit est témoin de ce que Jésus a envoyé pour qui? Pour Israël. Ne sortez pas de la Bible, tu ajoutes, tu diminues, tu ajoutes, mon frère, respecte la Bible. C'est pas moi qui vais quitter ou venir à la Bible, de dire respecte la Bible. Tu seras allé deux fois châtié par un païen qui vient te montrer dans la Bible de respecter la parole de Dieu. Donc, maintenant, ici, le frère Alphonse dit que Pierre n'avait pas compris Jésus. Ah, quand vous dites même certaines choses, je ne sais plus quoi dire.
Donc tu dis que Pierre, le chef des disciples, n'avait pas compris les recommandations que Jésus a données, aller dans toutes les nations. Pourtant, avant de dire aller dans toutes les nations, il a fait d'abord une prière à Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3 jusqu'à 20. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ils ont cru, ils ont connu. Frère, verbe croire et verbe connaître. On apprend qu'avec, on a connaît que ce qu'on a appris. Comment tu peux accuser Pierre de n'avoir compris Jésus, Père? Frère, vous allez être motivé par la Bible sans savoir, frère. Mais vous allez excuser les disciples, les apôtres même du Seigneur, frère. Non, non, vous voyez, il y a une chose qui m'énerve. La chose qui m'énerve, c'est insulter les disciples de Jésus. Mon Dieu, moi, là où Jésus a dit que le Saint-Esprit, c'est. Suivez-moi. Vous allez me faire maudit par la vie. Vous insultez Jésus, vous insultez les disciples de Jésus d'une façon que bien n'avait pas compris Jésus. Vous façon indirecte. D'une façon indirecte. Il dit c'est d'une façon indirecte. Alors, tu dis, moi, il dit maintenant, ils ont cru, ils ont connu. Et Pierre lui-même, les disciples ont dit dans Jean 6, verset 66 à 67, quand beaucoup de gens se retiraient de Jésus-Christ. Oui, je vais laisser quelques 15 secondes. Jésus-Christ dit, et vous, pourquoi ne voulez pas vous en aller? La Bible dit, Pierre prenant la parole, lui qui l'accuse. Il dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons couru. On a appris que tu es le Saint-Béni de Dieu. Comment dire qu'il ne connaissait pas tout ce que Jésus lui donnait, frère? Non, il ne connaissait pas. Bien, tu es le maudit par la vie. Donc, frère, les questions sont là. L'autre là, c'est qui? Voilà mon frère ici. Jusqu'au preuve du contraire. Dans cette Bible-ci. Vous voyez la parole? C'est le frère. Oui. Voilà, c'est le frère. Avant qu'il commence, oui, j'aimerais demander ici, les frères n'ont pas accepté le commentaire-ci. La question que je voulais poser est, il suit le commentaire de qui? Il a l'explication de la Bible chez qui? De chez comme qui? Ça, comme oui. Ça, on saura que cette Bible est fausse. Oui, ça. Parce que comme il refuse cette le commentaire de cette Bible-ci, oui. Parce que les gens qui ont commenté cette Bible-ci, c'est les grands savants catholiques. Ce sont les grands savants de l'Église catholique qui ont passé des années à faire des recherches, qui ont expliqué. Quand vous refusez l'explication de ces deux Bibles-là maintenant, vos explications bibliques. Vous expliquez ces Bibles. Selon qui? Selon qui? C'est ça qu'on veut comprendre, oui. Qui vous donne l'explication de ces Bibles? Lui, c'est bon. Parce que la connaissance n'est pas de prendre seulement un livre. On peut prendre un livre de géographie. On peut lire, mais on ne peut pas comprendre. Il faut qu'un professeur de géographie soit là pour nous expliquer certaines choses. Donc, qui est-il? Il y a plusieurs éléments dans ce livre-là. Oui. Plus dans ce commentaire. Tout ce que l'imam a dit, il n'a pas dit de s'en passer, mais c'est le commentaire de l'église. C'est l'église même. L'église, c'est le temps. C'est le temps de... oui. Je n'ai pas commis en cause. Ah, donc, oui. Là, ils vont commencer. Oui, Je propose. Il y a trop d'amadame. Premièrement, moi je suis ouvert à tout ce que je pense. Mais je pense qu'on ne peut pas se comprendre parce que je pense que lorsqu'on se dit qu'on détient une vérité absolue, on se dit quelque chose, ce qu'on dit, on ne peut pas réfléchir. Laissez-moi avancer. Surtout que nous n'avons pas la lecture biblique. Je l'insiste. Vous pensez que nous allons comprendre comment? Tout ce que vous nous qualifiez déjà comme des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Donc, je vous une manière de vous faire comprendre que tout ce que vous avez la possibilité de mieux comprendre la Bible, c'est que nous ne sommes pas capables de mieux comprendre. Mais nous croyons fermement à ce que la Bible ici nous enseigne. Cette Bible ici n'a pas été écrite par l'Église adventiste qui dit que nous avons une Bible comme l'Église catholique. L'Église catholique peut en effet avoir une Bible et elle commente par rapport à ses propres doctrines qu'elle enseigne. Nous ne sortons pas de l'Église catholique. Si vous connaissez bien notre histoire, hein, nous ne sortons pas de l'Église catholique. Vous sortez là-bas, vous montez. Laissez-moi aller. Okay. Et tout ce que l'Église catholique dit, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Hein? Et quand nous sommes, on nous appelle le peuple né de Christ. C'est-à-dire que quand quelque chose est conforme à la parole de Dieu, puisque la Bible n'a même pas besoin d'être interprétée par les hommes, il suffit que la Bible s'explique par elle-même, pas ses propres versets, et confirme. Et là, nous acceptons.
Donc, si vous nous apportez une Bible qui a été faite par une église pour démontrer, certes, elle a des doctrines qu'elle enseigne qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous voulez nous défendre quoi? Hein? Il faut connaître d'abord. Utiliser une Bible qui est utilisée, la Bible des peuples ou la Bible de Jérusalem, c'est une Bible propre à une religion, qui est l'église catholique. Il faut le dire. Nous n'avons pas une Bible pour dire que voici la Bible des Adventistes. Hein? Nous utilisons la Bible plus seconde qui est la Bible la plus utilisée. Et nous croyons que ce qu'elle a écrit, nous croyons en cela, en nous basant sur ça. Bon, comme depuis, nous sommes si faibles d'esprit pour ne pas lécher les catholiques, en plus, nous devons accepter ce qu'ils disent. Nous avons dit que nous, tout ce que les catholiques disent, nous devons accepter. Puisqu'ils n'enseignent même pas tout ce que la Bible en enseigne. Donc, il ne faut pas mélanger tout. Nous sommes des protestants. Même tous ceux qui sont protestants ne sont pas véritablement protestants. Il faut le dire la vérité. Parce que quand vous connaissez l'histoire des protestants, les gens sortant de l'église catholique. Parce que nous comprenons que Martin Luther a eu cette lumière qui est véritable dans la Bible, parlant de la situation par la foi. Nous acceptons la lumière que Jacques a eue. Tant de formateurs qui ont eu durant cette période, nous acceptons leur lumière parce que c'est conforme à quoi? À la Bible. Mais il y a des personnes qui ont formé la religion derrière Martin Luther. Refusant maintenant d'autres lumières que d'autres réformateurs ont eues, qui étaient celles des vrais dans la Bible. On ne veut pas dire que tous ces réformateurs ont eu à l'instant toute la vérité. Mais au fur et à mesure, Dieu se révélait. Et nous acceptons cette lumière selon la parole de Dieu. Vous dites que l'Église avance une Église qui s'est fait derrière une personne d'autres Églises. Nous sommes cette Église-là. Alors, vous dites qu'on a vécu le peuple Israël. Je pense que le débat est avancé. Parce qu'on y va, on revient, on y va, on revient. C'est sûr que même si la semaine prochaine, on n'y aura pas revenu sur ce débat. Tout simplement parce que vous voulez comprendre avec le document là. Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la Bible, hein? la plus sollicitée, hein? Pour nous convaincre. Mais pourquoi prendre les commentaires faits par quelqu'un? Donc c'est pour dire. Une question. Il a du droit là depuis. Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on doit arrêter cette Bible là ou la continuer? Suivez. Les commentaires. Nous sommes. Quand je vous dis que nous sommes le peuple qui est écrit. Hein? Nous partons dans l'optique. Pour comprendre la Bible d'abord, premièrement. L'esprit humain ne peut pas comprendre ce qui est écrit dans cette Bible. Donc si quelqu'un vient avec son intelligence propre ou son bagage intellectuel, parce qu'il a eu tant de livres, pour venir devant cette Bible, il sera frappé d'incompréhension. Et l'incompréhension, c'est qu'il aura à avoir plutôt ce qu'il pense être juste par rapport à ta réflexion. Mais si tu viens, tu dis, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible s'explique par elle-même. Je vous ai dit que une doctrine ne se forge pas sur un texte de Dieu. On ne parle pas du Saint-Esprit parce qu'on a seulement vu dans un texte parler du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit avec tous ses caractéristiques étant une personne alignée parce qu'il y a tant de versets dans la Bible qui confirment cela. Donc nous ne prenons pas un verset pour dire que non, cela c'est rien que. Prenez tant de versets. Et il y a tant de sujets que pour mieux aborder les termes, il faut prendre au maximum plusieurs versets pour en faire une doctrine. Ce n'est pas un seul verset. Donc, puisque nous ne sommes pas d'accord, puisque vous avez votre argument pour dire que votre consolateur c'est Mohamed. Hein? Et que notre consolateur, nous défendons que le consolateur c'est l'Esprit Saint, et que nous croyons pleinement à cela parce que c'est écrit dans la Bible. Et vous croyez que votre consolateur est mort parce que la Bible est peuple. Une Bible de religion a expliqué comment commenter.
Pas que la Bible a donné un verset disant que je vous annonce que d'ici il y aura un prophète qui. La Bible, comprenez quelque chose. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a une précision si précise dans ce qui fait que il n'a pas permis que l'homme soit dans l'ignorance en ce qui concerne la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il annonce même que quelque chose doit arriver dans la Bible, il lui fait une précision que. Il ne permet pas qu'un homme puisse peut-être dire que non, cela c'est de ma propre volonté. Si Dieu était imprévu, comme vous avez dit, vous dites que Mohamed est le Dieu, pourquoi pas le faire d'une manière où vous avez une autre méthode de nous démontrer avec clairvoyance que dans la Bible c'est précisé que c'est lui. En dehors du consolateur qui est précisé, le Saint-Esprit, pourquoi on n'a pas mentionné son nom? Hein? Tant de choses. Okay. On vous dit le consolateur, le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez que nous appuyions sur qui encore? Puisque c'est bien le Saint-Esprit que nous connaissons. Vous voulez qu'on s'appuie sur qui? On vous veut comprendre que le Saint-Esprit a les caractéristiques qui nous permettent de une personne. Ces trois personnes en un seul Dieu. Vous dites que non, c'est impossible. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on invente ce que la Bible n'a pas dit? Je ne vous comprends pas finalement. Mais dites-nous alors que voici ce que la Bible dit. On vous donne un verset, vous dites que l'apôtre Paul n'était pas disciple, il n'était qu'apôtre. Finalement, un que disciple et un que apôtre. Finalement, il y a une différence, donc nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Ah, vous ne pouvez pas nous envoyer où? Hein? Donc je comprends plus finalement le débat. Quand vous nous convainc, on cite un verset biblique. Il dit que maintenant, que comme l'apôtre Paul a prêché aux païens là, c'est parce qu'il n'était pas disciple. C'est rien que les disciples qui disent finalement, on ne prend pas où. Comment ça va dire à toi? L'apôtre Paul n'est pas cité dans la Bible. Ce qu'on a lu là n'est pas dans la Bible. Lorsqu'il dit que j'ai prêché aux Juifs, pourquoi il a prêché aux Juifs puisqu'il n'était même pas. Puisque bon, disons que les disciples devaient prier aux Juifs. Hein? Pourquoi il a prêché aux Juifs? Puisqu'il a prié à des Juifs et qui? Et les païens. Donc, franchement, moi je veux comprendre. Hein? Mais finalement, c'est ce qu'on dit. Vous nous amenez à faire comprendre que nous sommes dans l'erreur. Depuis que vous avez cité le verset là, je vous ai seulement dit que c'était tant de versets dans la Bible. Hein? Que Mohamed a cédé. Je suis pas le type, moi je suis un chrétien puisque la Bible dit même, hein, le juste est comme le marche, la marche du juste est comme la lumière du soleil. La lumière du soleil, lorsqu'elle vient là, c'est progressivement, hein, qu'elle est claire. Ça veut dire quoi? La vie, au fur et à mesure que nous lisons la Bible, nous découvrons des vérités. Tu ne refuses pas que peut-être la vérité que vous pouvez apporter une certaine vérité biblique. Même la base, c'est qu'il faudrait que cette vérité soit purement biblique. C'est pour ça que je me laisse toujours à vous écouter parfaitement. Oui. Vous êtes toujours en train de répondre à ma question. Oui. Mais pourquoi donc si cette vérité sort de la Bible, vous refusez de prendre une Bible? Parce que vous avez vu que le nom sort de Dieu des livres. Hein? Ce que vous avez cité, c'est un commentaire. C'est oui. Pas. C'est un commentaire. Même un commentaire. Nous appelons la Bible le livre 5, n'est-ce pas? Oui. Donc je veux dire qu'on ne peut pas avoir une erreur. Il y a quelque chose qui est saint. Donc en commentaire, il ne peut pas avoir une erreur. Si vous dites déjà qu'il y a une erreur dans toutes les Bibles, alors nous devons enlever le nom saint de toutes les Bibles. Je vous fais rappeler quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Et peut-être vous le connaissez. Peut-être vous dites qu'il y a des religions qui ont des Bibles propres à leur doctrine. Les témoins de Jéhovah ont une doctrine, ont une Bible. Uniquement. Et la Bible, ils ont fait de telle manière que si on va dans le sens de favoriser ce qu'ils enseignent. C'est vrai. De même que l'Église catholique a sa Bible, elle ne peut faire les commentaires que dans le sens qui favorise sa compréhension. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous ne pouvons qu'accepter ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Oui. Pas la compagnie. Là, hein? Cette Bible ici, je veux faire le commentaire. Parce que vous donnez là, c'est un commentaire fait partie. Vraiment, dis-moi que par exemple, je vais te dire, je vous enverrai un consolateur, virgule l'esprit, n'est-ce pas? Et un autre verset qui vient confirmer que le consolateur que je vous enverrai sera peut-être purement humain. Hein? Des versets comme ça, pour en même temps nous donner la qualification de ce consolateur. C'est ça que l'on recherche. Hein? Que nous commençons à ce consolateur. Que nous faisons les tests là.
Parce que nous, on a les techniques de l'église, c'est consolateur. C'est bon, ça va 10 minutes. C'est où? Oui, après, il va intervenir, je vais te dire la dernière fois. Oui, Charles, c'est ça. Dès qu'il est intervenu, il va intervenir, moi, je vais intervenir. Oui, avant pour la dernière fois, parce qu'il y a aussi des convertis de Primo Anon, Muhammad Clé, dans la Bible. Qui annonce où? Muhammad Clé. Clé. Oui, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Pardon, je suis chaud. La clé. C'est important. Il faut donner. S'il y a ces gens qui viennent à la fin. Suivez. Gagner. Il faut la vie éternelle. C'est pour cette raison que les jeunes soient d'accord pour la vie sur laquelle nous allons travailler. Travailler. Ne faites pas de ceci à nous. Ils ne sont pas d'accord avec les commentaires. Suivez bien. Suivez. Non, non. Les frères disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les commentaires. Allez, même leurs commentaires n'ont pas besoin. Bon, non, t'as pas. C'est qu'on va faire la même chose. Même leurs commentaires n'ont pas besoin. Mais s'ils ont été commentaires catholiques, soit disant qu'ils se garent. Puisque s'ils si donnent un commentaire, ils se garent. Qui n'est pas accepté, voilà, ils se garent d'office. Donc maintenant, nous sommes de faire un poids de mesure. Si vous n'acceptez pas qu'on prenne les commentaires catholiques, nous acceptons de prendre le commentaire. Mon frère, ça sera du niveau de quoi. Nous sommes les chercheurs de la vérité, frère. Le frère dit ceci. Il est troublé. Le frère est troublé. Il dit ceci. Pourquoi on n'a pas mentionné le nom une fois encore dans les versets, mais c'est dans les commentaires. Frère, c'est une fois encore de plus, excusez-moi le terme, malhonnêteté intellectuelle. On n'appelle jamais le nom d'un prophète dans une prophétie. Jésus-Christ dit ceci, les mêmes balances que vous pesez les gens, c'est les mêmes qu'on va vous peser. Je vous donne maintenant le défi au frère de vous montrer Jésus dans l'Ancien Testament. Nommément cité. Ah bon? Nommément. Jésus-Christ. Nommément. Son nom c'était Jésus. On s'est baptisé. Donne-moi le nom, je me baptise. Dans l'Ancien Testament. Suivez. Non, suivez, frère. Ouais, okay. Frère, c'est mon temps. C'est dans son temps. Notez. Donnez-moi le je dis bien. Je parle, je pèse bien mes mots. Nommément cité. Je dis nommément cité que le Messie s'appellera Jésus-Christ. Je me baptise. Et s'il n'y a pas, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ne voit pas la poudre qui est dans les yeux? Tu dis bien que pourquoi on ne devrait pas dire Mohamed? Je te retourne maintenant là-bas. Montre-moi où on a dit Jésus-Christ en l'annonçant. Ce sont les frères. On dit il sera point de Dieu, il sera le Messie, il sera, n'est-ce pas, il sera appelé comme ça, admirant tout. On n'a jamais dit Jésus-Christ. Parce que la prophétie, par définition, c'est un tableau qui dépeint ce qui doit venir de Dieu. On n'a jamais appelé le nom de Moïse avant que Moïse ne vienne. On a appelé toujours le libérateur. On n'appelle jamais le nom d'un prophète. Est-ce qu'il faut toujours appeler le nom d'un prophète dans la famille pour qu'il soit reconnu? Non. Le prophète n'a pas besoin qu'on appelle son nom pour qu'il soit reconnu. Ce n'est pas les traits. Même quand il est rentré dans le temple de Nazareth, dans Esaïe 61, verset 1 à 3, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Quand il est rentré dans le temple de Nazareth, sa ville natale, on lui a donné cette prophétie d'Esaïe. Qu'elle a déroulé la Torah, il est tombé sur ça. Lorsqu'il a lu, il a dit quoi? Cette prophétie que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. On l'a posé dehors. Il y avait son nom dedans. Donc ne faites pas un poids de mesure, frère. Vous avez fait ce que j'appelle ça, malhonnêteté intellectuelle. On n'appelle pas le nom d'un prophète. Ce n'est pas les caractéristiques qu'on reconnaît un véritable prophète. Donc maintenant, vous dites, et le frère dit ceci, que où est la différence entre un apôtre et un disciple? J'ai dit encore, et je ne fais que me répéter. Mais frère, vous lisez la Bible, on n'a pas l'Esprit Saint. Luc chapitre 6. Je donne maintenant le verset. Je vais donner la 8 secondes. Ils ont dit qu'on travaille avec 8 secondes. Luc chapitre 6, verset 13, 12 à 13. Un autre verset qui pour moi, Jésus n'aime pas Dieu. C'est à toi, Désiré. Ici maintenant, il partit. Luc chapitre 6. En ce temps-là, suis bien mon frère Désiré, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Veillez de prier. Pendant que tu fais les prières, tu peux adorer Jésus. Jésus fait les prières, tu peux adorer Dieu. Tu vois la différence. Tu n'as pas vu Jésus, frère. Le verset 13 maintenant, pour Alphonse, qui ne connaît pas l'apôtre. Quand le jour parut, il a dit, il a versé et il a douce. C'est l'apôtre ne peut pas dire disciple, frère. Apprenez encore bien la Bible et demandez à Dieu pour l'esprit de la Bible.
Vous avez la Bible seulement dans votre esprit, frère. Les frères disent ne sont pas catholiques. Frère, vous êtes catholique. Je vous ai dit, vous êtes les protestants qui suivent une branche de maternité. Et il y a même votre dirigeant. Si vous avez compris une histoire de votre religion, vous n'avez même pas été adventiste. Parce que vous n'avez pas bien organisé. Vous avez ces ouvrages. Est-ce que vous avez ces ouvrages? Dis la vérité. Tout ce qu'il avait prophétisé, et beaucoup de adventistes sont sortis derrière lui, que la fin du monde devait arriver le 22 octobre 1844. Est-ce que c'était arrivé? Vous suivez un faux prophète? Parce que Dieu dit en Deutéronome 18, verset 22 à 23. Comment sauras-tu que le prophète est un faux prophète? Quand le prophète dira une chose qui n'arrivera pas, ce sera un faux prophète. Et vous suivez une personne qui vous donne le jour de la. Il donne le jour de la fin du monde. 22 octobre 1844. Ce n'est pas arrivé. J'ai arrivé le 1900, Miller. Votre branche, votre père. Et votre père lui-même. Excusez-moi le terme, il a menti. Il ne peut pas être le dirigeant d'une église, frère. Où tu vas appartenir si tu fais des recherches. Ça, c'est un. Donc, les catholiques sont votre mère. Parce que vous tournez votre église. Le mot Trinité est écrit par Dieu. Ce n'est pas par vous. Il y a le son de Trinité dans l'église. La Trinité est protestante. Et les catholiques sont les protestants dans cette Trinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est trois personnes distinctes. Le Père, c'est par qui nous vient, le Fils, c'est par qui nous accomplit, et le Saint-Esprit, c'est par qui nous se réalise. Mais c'est trois personnes distinctes, mais trois personnes en un. Ça, c'est la Trinité catholique. Protestant, catholico-protestant. Et il y a une autre Trinité que vous ne connaissez même pas, qui sont ici dehors, et qui vous dit que vous êtes satanique. La Trinité branhamiste. Si on appelle les adeptes de Branham ici, on appelle ça la Trinité Sabellius, inventée au 6e siècle par le Père Sabellius et le Père Patias. Ici, ils ne disent pas que c'est trois personnes qui forment un. Ils disent que tous ceux qui disent que trois personnes forment un sont sataniques. Et ce ne sont pas les musulmans. Parce que c'est une personne qui a rempli plus de trois fonctions. Il était fait au ciel. Il a péché, il est venu sur la terre, sous forme de fils. Il est venu, Dieu sait, c'est toujours la fin des autres. Cette unité-là vous défie et il dit que vous mentez. Les catholiques, les protestants, vous êtes une branche de catholiques, frère. Vous dites que vous n'êtes pas catholique. Maintenant, après les commentaires de votre père et votre mère, ils disent, mais vous refusez. Bon, on va travailler maintenant ici. Revenons sur le thème, consommateur. 1 Corinthiens, 8 secondes, chapitre 14, le même verset que j'ai donné. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset. Aïe, 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 aïe. Les gars, ça va. Les gars, c'est sorti du monde. Non, on cherchait la vérité. Ce sont les assoiffés de la vérité. C'est les assoiffés de la vérité de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes. Chers Kali, apportez ton powerbank. Ça dit, Paul dit que celui qui a couronne de prophétie, mais aussi appelé consommateur. Le consommateur peut être un envoyé. On a vu déjà David, 2 Samuel 10, 3. Le consommateur peut être fâché, les hommes fâchés qui ne sont pas. C'est-à-dire comme Job 16, Job chapitre 16, verset 8. Le consommateur peut être un prophète, comme dit l'apôtre Paul ici. Mais ici, Jean, quand il dit une chose dans son premier livre, on ne comprend pas. Dans un jeune esprit, 1 Jean 2, 1, il dit Jésus-Christ est notre consolateur ou notre avocat au tribunal céleste. Et nous connaissons qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est d'abord homme, lui aussi dans Jean 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu Dieu. Ici, on a passé moi un homme. Quand Dieu prend cette Bible, David, 8 secondes toujours, David, il y a moi un homme ici. Et ici on a effacé moins un homme. Non, attends d'abord. Ici on a effacé, ici, Jean, les mêmes versets. Jean chapitre 8, verset 40. Verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai oui dit. Version David, 8 secondes. Mais David, là-bas, dans la Bible, on est passé moins un homme. Pour mon avis, les Bibles ne sont pas les mêmes. On est passé moins un homme ici, pourquoi? Et ici, il y a un moins un homme. Parce que ici, on veut dire qu'il est Dieu. Et ici, celui-ci, le Dieu qui n'est pas Dieu. Directement, on est passé moins un homme. Ah, tu as des bien. Ça, c'est bien. Donc, ici, maintenant, c'est pour dire quoi, mon frère? Jésus dit ici dans cette Bible qu'il est homme.
Oh, Dieu n'est pas un homme. Ça veut dire le consolateur qui viendra. Verset 48. Verset 48. On a supprimé le moyen homme. Chapitre combien? Oui. Jean 8. Jean 8. Oui, on a supprimé. Non, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi le frère, mon frère, Marie vous disait ceci. Ne vous attardez pas seulement à une version de la Bible. Et ici maintenant, ça c'est lui second, version David. Bah, David est venu corriger de beaucoup les erreurs qu'il y a beaucoup de Bible. J'ai dit qu'il y a des erreurs. Alors, on m'a accusé ici que je suis allé dire que je dis que les Bibles ne sont pas crédibles. C'est pas moi qui l'ai dit. David est venu corriger par un verset exemple que David allait le corriger. Jean 8, verset 40, frère. Même verset. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai, oui, de Dieu, Abraham n'a pas fait cela. Et ici, on est passé moi-même. Faites des recherches, frère. Mais vous, mon frère, la sincérité, son est une tu peux être sincère dans ma foi, et j'apprécie. Mais tu n'as pas la vérité. Au dernier, tu te retrouves gratuitement en enfer. Il n'y a pas, c'est même pas gratuit, il y a la Dieu. Il y a la Dieu. Donc, il y a des gens qui peuvent même en enfer pour aller. Bon, donc maintenant, ici, mon frère, donc restons dans le débat. D'où le thème, hein, frère. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Oh, le premier consolateur, Jésus. Il a appelé, c'est Luc 22, Luc 2, verset 25. Voici qu'à Jérusalem, il y avait un nom appelé Siméon, un vieux papa. Il avait l'Esprit Saint sur lui, parce qu'il était juste écrit. Et il attendait le consolateur d'Israël. Quel est le consolateur d'Israël? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, dans Luc, prouve que c'est il est le consolateur. Jean vient dans 1 Jean 2 que c'est le consolateur. Mon dit celui, c'est son semblable, mais pas lui. C'est là que je veux qu'on s'attarde. Mais le problème est que vous cachez. Vous allez cacher. Il faut chercher. Donc, mon frère, donc c'est quelqu'un comme Jésus, sans être Jésus, et plus que Jésus même. Puisqu'il dit quoi? Il vous conduira dans toute la vie. Mohamed, le seul homme, sur cette terre. Hein? Le temps est fini. Excusez-moi, je n'en pas. J'ai fini la phrase. Oui, mais il m'a donné une minute. Attends. Il m'a donné une minute. Mohamed, c'est le seul homme sur cette terre qui est venu confirmer Jésus-Christ dans le monde. Dis même ce que la Bible n'a pas dit sur Jésus le politique. Ça ne suffit pas. Et le seul prophète sur qui chacun va auprès de lui, n'importe quel problème, il résout. Voilà pourquoi Georges Bernard Shaw, si tu le connais, prix Nobel de paix et de littérature en 1927. J'ai étudié la vie de cet homme. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera la solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi il a écrit, selon le Coran, c'est le seul livre divin, abrahamique, sur cette terre qui gouverne les États. Sinon, montrez-moi un État qui est sa loi est régie par la loi de la Bible. Un seul. Un seul État. Il n'y a pas. Donc maintenant, les trois questions sont sur la table. Mon temps est fini. À moins que vous me donnez le temps. On passe au tableau là-bas. Je vais vous dire, vous comprenez dans la Bible. On va essayer de. Ah, ok. Ok, allez-y. Quand on dit dans la Bible que un sage peut beaucoup d'études à son école. Beaucoup d'études, il dit un sage, l'homme le plus sage de tout le temps. Oui. Oui. Le plus riche même d'ailleurs. Oui. Que Dieu veut donner. Il a écrit beaucoup d'études. Tu es fatigué. On va se fatiguer. Beaucoup d'études. Oui. Il dit c'est sa voix, il est oui. En passant, c'était juste une parenthèse. Okay. On peut tout bien, on se fatigue pour bien. On est l'homme est libre de voir à ce qu'il veut, qu'il soit dans l'environnement ou pas. Mais nous, on a le devoir d'apporter la lumière que nous avons reçue. C'est ça. D'accord. Dieu n'est pas un homme, vous avez cité ça. Pour mentir, ni le fils de l'homme, pour cet homme, c'est le parti. Pour se repentir. Dieu d'abord, là, Dieu là d'abord est esprit. Jean 4, 24. Dieu. D'abord, est esprit. D'abord. Maintenant, nous on voit qu'en Dieu là, il n'y a pas une seule personne dans Dieu là. Voilà dans le premier pour répondre à ta question. Dans Dieu là, s'il y avait une seule personne, on devait le débat devait finir depuis le matin. Du coup, on insiste, on devait aller comme on ne sait pas. Maintenant, on comprend dans la Bible, dans l'esprit de la Bible, qu'en Dieu, il n'est pas seul. C'est une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Le verset qui est. Dieu esprit.
Je vais penser là. Non, montre. Je vais penser là. Tu n'as pas les trucs de frère. Tu restes les deux pour apocalypse. Tu dis des choses qui ne sont pas la Bible. Mais nous, on n'a même pas la philosophie. Tu nous embrouilles. Tu nous embrouilles sans donner verset biblique. Moi, je vais donner. Oui. Je vais donner moins deux. Oui. Le premier test. Le premier test. Où on montre les certaines parmi nos pères sur cette foule. Oui. Jean, comment on appelle Matthieu 28, verset 19. C'est un référent, non? C'est moi qui ai parlé là-bas. Baptisez-le au nom du Père, du Fils de et du Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le droit. Le Fils est le Père, tout le monde connaît que Dieu c'est une personne. On est d'accord? On connaît d'abord que Dieu c'est une personne. Le Fils aussi c'est une personne, c'est pas le Saint-Esprit qui serait le roi. Pourquoi la troisième personne vient être le roi? Puisque le Père est une personne que vous tous, nous sommes d'accord que Dieu a au ciel là-bas que nous l'adorons, est une personne. Maintenant, nous sommes convaincus ici, même jusqu'à les païens là-dehors, qu'on sait que Jésus-Christ est une Père, puisqu'il était une personne. C'est la troisième personne qui nous amène ici. C'est la troisième personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui fait que, s'il vous plaît, qu'est-ce qui. Ouais, s'il vous plaît, j'ai la parole, ça va le temps de passer. Qu'est-ce qui prouve qu'on montre que le Saint-Esprit est une personne? Nous-mêmes, on ne pouvait pas croire. Moi, je ne pouvais pas croire cela au départ. Je ne pouvais pas croire. C'est à force de lire la Bible minutieusement, avec beaucoup de peur, que je comprends que hey, le Saint-Esprit n'est pas une force agissante, comme certaines dénominations chrétiennes. Je ne veux pas citer le nom ici, dit que c'est une force. Ce n'est pas une personne. Oui, bon, j'ai fini là, il prend ici pour voir la parole. Il y a d'autres gens qui disent que c'est une force. D'autres disent que ce n'est pas ou c'est quoi. Nous nous disons que c'est une personne parce que quand Jésus dit que baptisez-le au nom du Père, du Fils, les deux là sont une personne. La troisième personne maintenant, on peut dire que c'est le vent, ou bien le bois, ou bien le bleu, ou bien rien. Maintenant, on dit que c'est une personne, pourquoi? Pourquoi on dit que c'est une troisième personne de la divinité? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, pendant que les apôtres sont en train de prier pour aller à l'évangile, ils sont en train de silence. La Bible dit que le Saint-Esprit dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle. Il dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre, que le Saint-Esprit dit que mettez-moi à part, on appelle que Dieu vient Jésus. Que le Saint-Esprit a parlé, que mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre que je les ai appelés. Après que les apôtres ont prié, ont mis, nous allons parce que le Saint-Esprit a parlé. De un, de deux, on ne ment pas au mur, on ne ment pas au chien, on ment à une personne qui est normale, un être humain, on ment à une personne. En fait, c'est là où on est quoi? On ment à une personne, pourquoi? Parce qu'on dit que, avant qu'on arrive là, on dit que Pierre dit que Satan, Ananès a menti au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Pourquoi attendre Satan a pris la poudre? Si bien que tu mentes au Saint-Esprit. Voilà les arguments qui sont sur AP5. Que tu mentes au Saint-Esprit. Deux. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On n'attiste pas. Bon, on ne parle pas de faire un animal. Mais on n'attiste plus une paix. On n'attiste pas le mur. N'attiste pas le Saint-Esprit. Il parle, on le ment, on l'attriste. Il console. Ne pleure plus, ne pleure plus. La douleur va bientôt, la souffrance va payer. Il console. Voilà pourquoi je lui laisse. Parce que je peux bien m'attarder davantage. Je lui laisse pour dire que c'est une personne qui peut réagir comme on met juste au compte du Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, on l'explique que Jésus. On a trouvé Jésus d'abord, Jésus au ciel. Il joue le rôle d'intercesseur auprès de son Père. Dieu est là, il joue le rôle de juge. Le Saint-Esprit est là pour travailler avec toutes les enfants à ceux qui acceptent Dieu dans leur vie. Donc, c'est ce que je voulais faire terminer mon imam. Sans tout pour vous avez. Voilà ma part de conviction. Hein. Voilà ce que je crois. Tu as raison de dire que c'est ta part, mais pas pour lui, mais l'idée, on va le prouver tout de suite. Ok, ok. S'il vous plaît, une minute, j'ai mis en pause. Ah bon? J'ai mis en pause. D'accord. S'il vous plaît, nous, on est les musulmans. Nous, on cherche à connaître la vérité, comme on l'avait dit au début. Oui. Nous, notre objectif, c'est de comprendre la vérité. Il y a une chose ici que je n'ai pas bien compris. Oui. Imam a récité un verset ici dans Osée et dans Nombre qui Dieu dit qu'il n'est pas homme. Ah. Est-ce que vous avez cru à ce verset parce que vous faites que répéter, vous faites que répéter que Dieu est homme, alors que le verset 6, vous pouvez même voir dans votre. Je suis un homme. Oui. Nombre 23, 19. Oui, donc, même dans votre Bible, là-bas, ce verset existe que Dieu dit je ne suis pas un homme.
Mais vous faites que répéter que Dieu est un homme. Jésus est un homme. Donc l'Esprit Saint ne peut pas être un vent. Lui aussi doit être un homme. Donc vous avez démenti ce verset. Oui, une personne. Donc vous avez démenti ce verset. Ou bien ce verset, c'est comment? C'est pourquoi j'ai mis votre temps en pause. C'est juste pour comprendre ce passage. Parce que ici il y a quelque non, chose qui je savais pas. Depuis que oui. Lui n'a pas l'esprit. J'ai dit que quand il veut prendre la parole, j'ai dit que c'est ça. Quand il a fini, là, je lui ai donné à frère Alphonse. J'ai dit oui. Que c'est ma conviction de désirer à lui, non. Oui. Pas l'humanité. C'est, je faisais allusion à tout ça. Je vais revenir sur ça. Ouvre le temps, je laisse la parole à ma frère. On va laisser le temps maintenant. Voilà, le temps continue. Je pense que le test que vous avez eu, nombre 23, verset 19, c'est normal. Parce que Dieu est un homme. Il n'est pas un homme. Hein? Tu n'es pas un homme. Maintenant, c'est parce qu'on ne s'aborde pas sur la Trinité. C'est, la Trinité n'est pas un terme propre à la Bible. Là, on n'est pas complètement d'accord. Mais la Bible, dans un sens, nous amène à comprendre qu'il existe trois personnes en un seul Dieu. C'est très clair. La Bible, c'est une doctrine dans la Bible. Donc, on n'a pas besoin de trouver le mot Trinité pour en effet dire que Trinité vient de la Bible. Mais on peut en effet comprendre que dans la Bible, Dieu nous enseigne qu'il existe trois personnes en un seul Dieu. Je dis bien trois personnes en un seul Dieu. Hein? J'ai pas dit trois dieux. Parce que les gens comprennent pas. Voilà. Parce que les gens sont en train de comprendre trois personnes en un Dieu. De même que l'eau peut être en état solide, état liquide, gaz. Tout ça, c'est quoi? C'est l'eau. Hein? Et c'est. Vous avez l'habitude de dire que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Pour l'autre là aussi, je vais vous dire que vous ne pouvez pas comprendre ça tant que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Hein? Il y a des choses. C'est ça, non? Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre humainement. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Bon, je voulais revenir sur. Pour le dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est normal. Hein? Dieu, est-ce qu'il est un homme pour mentir? Non. Donc il faut comprendre que dans ce qu'il dit, c'est pour dire que quand ce qu'il dit, hein, il doit accomplir. Il n'est pas en train de dire que comme toi, quand tu dis à l'enfant que tu vas faire ceci demain, après tu ne peux pas faire. Donc il faut comprendre souvent ce que même Jésus-Christ, même s'il a revêtu notre humanité, le fait qu'il a revêtu notre humanité ne veut pas nous amène à comprendre qu'il a la possibilité, il est capable de nous comprendre. Je le dis souvent même que le fait que Jésus-Christ a revêtu notre humanité, c'est un avantage pour nous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sonne le palu, s'il n'a jamais eu le palu, il ne peut pas comprendre le malade qui a le palu. Mais Jésus est capable de comprendre toi et moi qui souffrons dans notre chair. Et c'est pour cette raison qu'il est capable de nous délivrer. Parce qu'il a porté ses chairs. Et c'est pour cette raison qu'il faut comprendre cela. Maintenant, quand je dis ainsi, il a dit quelque chose. Je veux le débat, en effet, je propose même qu'on arrête. Que prochainement peut-être prochainement peut-être pour entamer là vous avez dit que vous allez parler sur le tableau quoi là oui qu'on le fasse peut-être prochainement hein? Parce que actuellement quand je constate depuis qu'on a commencé hein, on ne pourra jamais s'accorder mais si vous voulez on va peut-être vous refuser de comprendre non puisque si tu ne peux pas accepter aussi que tu de me comprendre nous allons parler avec philosophie pas la même bon William Miller. C'est bien vrai de parler de William Miller. Hein? C'est très bien. Je connais même William était même naqué avant d'être chrétien. Voilà. Il était même naqué. Est-ce qu'on t'a dit que nous, non? Parce que vous pensez qu'on va parler de William Miller. Non, c'est votre chef. Non, c'est ce que vous êtes genre. C'est ce que vous pensez. Sorti des États-Unis. C'est ce que vous êtes en train de croire. Laissez-nous. Peut-être que vous avez dit très bon pour parler. William Miller, je vous ai dit que. Je vous ai dit, peut-être on n'a pas compris. Je vous ai dit que l'église adventiste est une église de Dieu. Que vous le voulez ou pas, c'est l'église de Dieu. C'est une église qui ne fonde pas sa croyance par rapport à un individu. Mais reconnaît que Dieu, de même que la lumière, dans le prophète, tout le monde me dit cela. La lumière, Dieu, alors l'Église veut parler que Dieu peut utiliser à tout moment des individus pour se révéler à l'humanité. Alors c'est pour cette raison qu'elle accepte ce que Luther a dit concernant la situation par la foi. Certainement Luther n'a pas dit tout, parce que ce qu'il disait, il n'a pas parlé par exemple de la loi de Dieu. Hein? Pas des lois. Donc,
D'autres réformateurs sont venus, ils ont parlé aussi de certaines choses où l'Église a accepté parce que c'était vérifié dans la Bible. Maintenant, parlons de William Miller. C'est fini. Est-ce que c'est fini? Ça va, on ne peut pas mettre tout ça. C'est fini. Non, mon frère, je vais. Bon, ils vont continuer, ils vont suivre. Non, mon frère, si on parle de William Miller, vous n'allez pas vous en sortir. J'ai des tas de livres qui sont écrits d'abord. Moi, commencez d'abord par mon corriger sur la fin du monde qui a donné du 22 octobre 1844. Je les ai arrivés là-bas, mais vous n'avez pas perdu. Bon, ok, non, le temps t'a arrêté, pas moi. Je suis allé dire alors. Alphonse, je suis allé dire, vous nous disiez, vous n'avez pas écrit. Je suis allé dire, oh, il faut que ça s'accorde. Mais non, regardez. Et je constate une chose aussi, que le fait de dire, tu n'as pas fait les recherches. Tu sais le fait que c'était Matthieu 28, 19, qui aussi Marc 16. Marc 16. Je suis maintenant. Bien, mon frère, cette Bible ici. Le problème est que vous ne faites pas les recherches, vous tapez seulement une Bible. Qui a plusieurs erreurs dedans, plusieurs diminutions. Tu viens de voir que David a corrigé qui s'est bon. Maintenant, voici la traduction d'abord le nouveau. Les témoins de Jéhovah. Il a tout le Bible. Oui, il y a tout. Qui a mis de l'eau à la maison. Qui vont suivre. Suivez. Les témoins de Jéhovah. Vous faites les recherches. Il y a plus de 70 là-bas. Il y a même la Bible, n'est-ce pas, arabe. Si on prend la Bible arabe ici, ça sera la folie totale. Quelqu'un va sortir les visées ici comme on avait coché sur ses oreilles. Tu comprends un peu? Donc ici maintenant, conclusion pour toi. Sur le verset 5, Jésus dit maintenant, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Conclusion pour toi. Regarde ce que c'est qu'il nous dit. Écoute attentivement. Quelques manuscrits et versions des dates plus récentes donnent après Marc 16:8 la conclusion pour toi. Ceci est. Ils disent que tout ce que tu vois là, allez dans toutes les nations, baptisez-le au nom du Père et du Fils, au verset 19, et aussi dans Matthieu 28, 19. Ils disent tout ça, c'est dans les Écritures. Ceci, les théories de Jéhovah, c'est les savants qui font les recherches. Ils disent que c'est les ajouts, ça n'existe pas dans les textes originaux. Qui a ajouté? Attends, je vais te démontrer. Frère, suivez. Qui a ajouté? C'est l'Église catholique. Suivez, frère. C'est l'Église catholique qui a ajouté. Voilà pourquoi Paul m'a dit David et Timothée. Car après avoir dit que toute écriture inspirée de Dieu, il dit encore quoi? Nous ne falsifions pas les écritures. Comme font beaucoup. Qui sont ces beaucoup qui falsifient? Mais tu me dis qui? C'est les catholiques. C'est eux qui l'ont ajouté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous les avez suivis aussi. Beaucoup des églises ont suivi l'église catholique moutonnièrement, sans savoir. C'est eux qui ont ajouté, c'est un ajout dans la Bible. Jésus n'a jamais dit. Ceux-ci disent que Jésus n'a jamais dit ça. Allez dans toutes les nations, partir au nom du Père, du Fils. C'est les ajouts. Et quand vous avez adopté les sectes catholiques, vous devenez catholique. William Marot Branagh et ses adeptes vous condamnent. Leur Trinité n'est pas sainte. Ils n'ont pas compris au nom du Père du Fils comme trois personnes. Non, ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils font les recherches. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont lamentablement vachement misés sur la personne de Jésus-Christ. Vous ne vous attendez pas à la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas trouver des musulmans qui ne s'attendent pas sur Mohammed. Non. Un autre Dieu, Jésus est Dieu, fils de Dieu, être humain. Un autre Dieu n'est pas Dieu, le plus fils de Dieu, au sens figuré. Un autre Dieu n'est pas fils de Dieu, au sens figuré. Il est plutôt Dieu au sens propre. Un autre Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il est un prophète comme Moïse, comme d'autres. Mais il se paraît supérieur à Moïse. Un autre Dieu n'est pas le Dieu, il est un petit Dieu. Un Dieu. Donc, regarde, toutes ces divergences dans le christianisme, autour de la personne de Jésus-Christ, mon Dieu que frère, la véritable doctrine enseignée par Jésus a déjà été dénaturée par les chrétiens. Et Jésus avait bien dit, l'ennemi viendra s'aimer vrai dans les champs de Dieu. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres, s'aimer vrai dans les champs de la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ. C'est dénaturé depuis. Regarde maintenant, vous commencez à philosopher. Bon, je vois, et Jésus avait annoncé, vous, il vous avait prophétisé sur vous. Quand vous êtes venu à lui dire, je ne vois pas, bon, je vois que l'esprit ici. Non, Jésus avait prophétisé sur vous dans Marc 7, 8. Il dit très certainement, vous allez abandonner les commandements de Dieu pour suivre les traditions humaines. Vous suivez les concis des faits en 431 des catholiques. C'est un philosophe. Quand vous racontez, vous parlez là, je vois le concile en vous. Quand vous parlez là, je vois le concile en vous. Je ne vois aucun verset biblique. Le verset est clair. Si Matthieu, nous sommes dans Jean 14, 16. Si vous respectez mes commandements, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Même un enfant, même le petit enfant, parce qu'il suit votre développement, il aura ce qu'on appelle la course du circuit cérébral. Parce que tantôt vous faites de l'esprit un Dieu, tantôt vous faites de l'esprit quelqu'un qui va entendre la parole de Dieu pour transmettre aux gens. Non, Dieu n'entend pas les paroles pour entendre pour transmettre aux gens, frère. Il est le suprême. Quel chrétien, quel musulman, même un athée, peut reconnaître que Dieu est suprême. Mon père de celui qui viendra comme consolateur en disant il ne parlera pas de lui-même.
deux choses à noter. La chose a sa passion et il fera taire sa passion, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire qu'il a sa conviction à lui qu'il faut taire et dire ce qu'il a entendu. Mais qui est celui-là? Vous dites c'est le Saint-Esprit, en même temps vous divinisez le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu le Saint-Esprit entend encore les paroles chez qui, vous transmettez, frère. Si vous ne cachez pas la vérité, sciemment. Voilà pourquoi Allah dit ceci dans le Coran, chapitre 2, verset 46, 146. Voilà ce qu'Allah dit sur vous les péchés. 146. Et si vous cachez, vous serez semblable à Pharaon qui disait à Moïse, en arabe pour moi, c'est moi qui est Dieu. Mais quand l'homme a voulu l'ensevelir, et il savait qu'il était seul maintenant en face à Dieu, il dit, j'ai croit aussi à toi, Dieu d'Israël. Donc c'est l'orgueil, frère. Et ça amène à l'enfer, directement. L'humilité précède la gloire, frère. Dieu dit, il cache la vérité, c'est, il sort. Il dit, une partie d'entre eux, c'est pas tous. Une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Parce que c'est lui qui détient les poitrines. Et ici, il dit, la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Pourquoi vous doutez, frère? Que le consolateur, c'est le prophète Mohammed, fait la parole de Jésus. Maintenant, combien de temps? 6. Désiré, viens, ne parle pas. Je me dis à quelqu'un, je dis, ne parle pas comme ça. Oui. Ah, petit. Que tu marques pouce. Marque pouce. Ah non, attends, il dit. Parce que lui, il a un sérieux problème. Donc, ici maintenant, tu comprends en fait que vous cachez la vérité. Il y a aussi dans ce verset du Coran. Donc, maintenant, assez de pieds, je vous dis que Coran. Je vous disais que la vérité. Nous sommes dans le Coran maintenant. Chapitre 5 du Coran. Chapitre 5, verset 15 à 19. Qui est ce consolateur-là? C'est le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Jean du livre. Parce que chaque fois que Dieu dit Jean du livre, il parle des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont eu la Torah des juifs, l'évangile est qui? Les chrétiens. Il dit maintenant, oh, Jean du livre, notre messager Muhammad, c'est Allah qui parle, vous êtes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. C'est pas ça ici. Je viens avec ça. Tu dis non, tu ne veux pas. Je viens avec l'autre, tu dis que non, ce n'est pas ce commentaire. Pourtant, indirectement, tu connais. Vous voyez comment le Coran vous déchiffre, frère. Il dit, notre messager Mohammed vous est venu, vous annonçant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous est venu d'Allah, le Coran. Par ceci, le Coran, Allah guide au salut ceux qui cherchent son agrément. Tu ne veux pas le salut. Tu parles du salut ici au départ, non? Tu dis que tout ce qu'on parle là, si on n'a pas le salut, ça ne sert à rien. Tu ne veux pas le salut. Voici le salut. Parce que le salut, ce n'est pas la mort de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort. Ni pour les mouches. Oui. Hein, tu n'en connaissais pas. Il n'est même pas mort. Oh, le bien-être, c'est ça. Je ne t'en prie pas. Tu veux désirer. Je continue. Il est fait sortir. Non, ne parle pas. Il est fait sortir des ténèbres. Ce n'est pas un blasphème. Puisque je vais démontrer par la Bible. Tu sais, Jésus. Non, ne me parlez pas. Non, suivez, ne parlez pas en même temps. Laissez désirer avec moi. Je connais sa maladie. Le docteur connaît le malade, comme Jésus disait. Jésus disait à ses disciples dans Luc 21, 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun de vos ancêtres n'aura de monsieur sur vous. Celui qui a fréquenté la université de Jésus-Christ. Personne ne pourra le renverser, frère. Regarde les billets, les gens devant le tribunal de Jésus. Jésus dit, ne vous en faites pas de ce que vous allez dire. Regarde même ici, vous ne vous en sortez pas. Parce que j'ai été formé à l'université de Jésus. Et toi, tu as été formé à l'université de maman. Parce que ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ. Donc ici, Allah dit, il est fait sortir des ténèbres, mais la lumière par sa grâce. Et il est guidé vers un chemin droit. Son sort, sept sont les mécréants. Ceux qui disent que Allah c'est Jésus qui est Dieu. Tu as vu. Oh Jean de livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Après une interruption de messagers,
pour que vous ne disiez pas au jugement des nuits. Il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà celle que vous êtes venu un annonciateur et un avertisseur. Vous refusez. Vous allez dire quoi le jugement dernier, frère? Maintenant, Jésus l'a annoncé ici, comme consolateur, paraclète, avocat, défenseur, c'est lui qui va vous aider. Maintenant, dans chapitre 61 du Coran, verset 6. Toi qui as côté de moi, tu m'as dit. Chapitre 61 du Coran, verset 6. Et quand Jésus, Jésus-Christ, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Annonciateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad et qui me dit celui qui est digne de moi, le glorifier. Avocat, défenseur. Voilà pourquoi cette Bible s'y a dit. Avocat, défenseur, celui qui va vous aider, assistant. Et tout ça, c'est encore incomplet. Et Mohamed 201 ans. 201 pour que vous n'attendez aucun abîmé chaque fois. Et parmi les 201 noms de mon famille, il y a celui qui est digne de louange et celui qui est glorifiant. Jésus a utilisé ça. Assistant, défenseur, consolateur, celui qui va vous aider. Et cette Bible dit insuffisant, même ce qu'on a cité, pour le qualifier. Vous les visez. Non, ici, maintenant, sur 53 du Coran. Donc, pour le verset 13, vous ne voulez pas le prendre. Jean 16, 13. Il dit ceci. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Sourate 53. Votre compagnon Mohammed, c'est lui, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Allah, ce que tu viens de dire. Ce n'est d'autre qu'une révélation inspirée. Dieu témoigne ce que Jésus-Christ avait dit. C'est-à-dire, si vous révisez Mohammed, vous avez révisé Jésus. Ne pensez pas que vous n'êtes plus avec, vous n'êtes plus avec Jésus. Désirez. Vous n'êtes plus avec Jésus, ni avec Dieu, son Père. Vous n'êtes plus avec personne. Le Coran témoigne que Mohammed ne parle rien par lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura. Il dit tout ce qu'il entend. Voilà le Coran qui le dit. Et Jésus dit, avec quoi? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le référenceur va tout. Oui, ben oui, le verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Oui. Vous croyez un peu? Frère, je vous ai dit par la foi passée à la fond. Et me glorifiera. Non, je dis que je suis venu par la grâce de Dieu vous évangéliser. Jésus a dit ceci. Là où vous entrez, on ne vous reçoit pas. Portez votre fils. Hein? Et laissez les poussières là-bas. Ne dites pas au dernier jour qu'on ne vous a pas dit que Mohammed est votre prophète. C'est à le sang. Et vous avez refusé. Parce que Jésus-Christ, lui, ici, vous n'accuserez rien de rien. Il a annoncé, nous les musulmans l'a compris. Et il a le Coran est venu certifié et nous on a accepté. Donc mon frère, si tu veux dire que samedi prochain, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, le temps est fini, ok. Mon frère, tu sais, le nom de ton frère c'est qui? Davis. Bienvenue. Tu es semblable à un élève qui est au premier banc, il dort. Tu es à côté de moi et tu ne. Ici, même, tu, es même la, non, tu es même la personne qui lisait. Tu as lu ici dans cette Bible de Jérusalem que l'esprit de vérité dit par Jean, c'est un nom. Ils n'ont même pas lu, j'ai seulement lu pour eux. Mais toi, tu l'as vu avec les yeux. Mais tu demandes encore que tu comprends bien, c'est un nom. Mais c'est un nom. Ok. C'est bon, non? Oui, c'est bon. On va arrêter. Et le thème de samedi, ça sera quoi? Vous avez dit que vous allez me demander quoi sur le tableau. Ah, oui. Non, prophétie de aujourd'hui, ah oui, Alphonse, oui, Alphonse, il a dit une chose. On va clore avec consolateur. Ça va être Dieu seulement aujourd'hui, comme Vanessa. Et là, je ne peux pas s'entendre. Je préfère qu'on prenne les prophéties éternelles. Mais je vous dis pas les chapitres, pour savoir si vous avez appris. Parce que si vous dites les chapitres, vous allez passer pour la semaine à faire les études. Mais vous surprendrez seulement dans les prophéties de Daniel. Donc, tout ce qu'elle peut vous dire, lisez tout le livre de Daniel, parce que je vais vous surprendre. Pardon, désolé, il faut être là. Mohamed sera apparent comme la ligne du 15e jour. Si tu sors le jour, là, ça, c'est que Mohamed.
Ok, prophétie de Daniel la semaine prochaine. Chichard. Il avait fait. Donc ça va là, 13h30. Non, venez, mettons 14h. Parce que quand 13h30 là, il y a encore certaines activités qu'on doit faire. 14h, c'est juste pour vous. Ok. 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 On a mis en France. Non, j'aime beaucoup. Mon ami désiré. Je ne sais pas. Mon ami. Non, c'est pas un juge. C'est pas un juge. Tu as le soutien de Daniel. Non, samedi prochain. Non, la prophétie de Daniel. Donc, soyez au rendez-vous. Soyez bien au rendez-vous. Parce que là, ça, cette prophétie va tout sortir, Inch'Allah. Non. Et ça va faire boum. Non, Inch'Allah. Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Non, Barakallahu fikou. Oui, samedi prochain à 13h sur la prophétie de Daniel. Non. Allez, comme ça. Ça va? Ça va bien? Ok. Non, ne ferme pas encore. Tu conclues? Oui, Alhamdulillah, vous avez vu le débat. Je ne peux pas annoncer tout ça. Inch'Allah, donc samedi prochain, par la grâce d'Allah, nous allons débattre sur le professeur Daniel. Non. Le professeur Daniel, mais je ne vous dis pas le chapitre, c'est que le pasteur va comprendre. Non, le frère béni de la Côte d'Ivoire. Oui. Il dit quoi? Non, il voulait savoir comment il peut faire pour avoir la Bible du peuple. Oui, béni, si, Inch'Allah, c'est rien ici. Si on trouve quelqu'un qui va chez vous, là, on va vous envoyer. C'est 4000 francs seulement ici. La Bible du peuple, non, c'est 4000 francs. Ce n'est pas cher ici. Ce n'est pas coûteux. Non, Inch'Allah. Oui. Oui, oui, mes frères chrétiens, comme oui, soyez au rendez-vous. Non. Ça va, je vais. Lydia de l'Allemagne. Non, ok.